En politique, le mensonge est la vérité. En politique, on ne flétrit le mensonge d'hier que pour flatter le mensonge d'aujourd'hui. Il suffit qu'un homme politique croie à ce qu'il dit pour que les autres cessent d'y croire. Ça, c'est la perversité propre au champ politique. Et vous devez le savoir. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce vendredi 9 octobre de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour cette nouvelle édition de DBS Matin. Comme à notre habitude, nous allons au cours de cette édition décrypter l'actualité, décrypter l'information. Car, comme on aime souvent le dire dans cette émission, eh bien la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. On a souvent eu des bagarres, des luttes, des guerres à cause de la mauvaise information. Voilà pourquoi nous prenons le temps de décrypter justement cette information. Bienvenue à toutes et à tous, bon réveil à vous et surtout bon début de week-end en espérant qu'il sera justement bon. N'oubliez surtout pas, votre dos c'est le passé, votre devant c'est l'avenir. Là où vous vous trouvez en ce moment, si c'est le présent, eh bien qu'est-ce qu'on fait du présent? On en profite. Mes deux mousquetaires sont là ce matin justement pour la revue de presse. Mangue Vernachus, good morning. Good morning Steve and good morning to our viewers. This last day of the week, today is Friday 9th of October. And Steve, the music that you proposed for our viewers this morning, you know, it tells us something about old age. You know, there are some people who are growing old and, you know, they don't feel, you know, that joy, the fact that you are old. Oui. And when you look at this man with the young man singing, you see somebody who is happy to give his know-how to the next generation. He is like transmitting what he knew or what he knows to his younger children or his children. And this is, and it calls for some of our artists to understand that even at your old age, look at the homage that Cameroon gave to Anne-Marie Nze when he died, when she died. These are the kind of artists that we want, that even at old age, still have something that you can give to the younger generation. When I listened to this music, I said this is something that was well done, well conceived, well worked out. It is not something that you just get up in the morning and take your, Steve, I used to say that some people, some artists today take their telephone and produce with a telephone and just publish, but that is something well prepared. Et aller savoir justement ce qu'ils produisent à partir de leur téléphone. Et c'est toujours un grand bois, un gros bois d'ailleurs, parce qu'apparemment aujourd'hui, le mot à la musique du 21e siècle, alors peut-être du 20e et du 21e siècle, c'est justement pour crier, sauter, taper dans le balafon. Mais là, on a une mélodie, on a besoin de l'écouter et tout le monde va franchement aimer. That's why they used to define music as, you know, they say noise is when you make uncoordinated, you know, notes of sound. C'est ce qu'on appelle ici la chanson parlée. That's all. When you just listen, even if you don't understand what they are saying, même si vous n'entendez pas, je pense que vous allez commencer à comprendre. That is the point. You just feel it, part of it. C'est justement cette Afrique que nous avons besoin. Cette Afrique qui a besoin justement de redonner ses valeurs, ou alors de partager ses valeurs aux autres, et justement à sa jeune génération de dire j'étais là, mais je vous lègue ce que j'ai appris de ce monde. Jackson, donc bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour te saluer ce matin parce que vous nous avez proposé quelque chose de formidable ce matin. Je pense que cette chanson nous a donné tous la chair de poule. Et d'ailleurs, ça fait quelques jours que nous suivons cela dans les réseaux sociaux. Et vous savez, vous parliez tout à l'heure des musicologies. On n'a pas besoin de comprendre les paroles, mais ça transperce au fond des entrailles. Et c'est ça la bonne musique. C'est justement ça la bonne musique. Elle nous touche énormément. C'est une belle mélopée, une belle mélodie d'ailleurs qui nous rappelle qu'il faut retourner à la terre mère. Et la terre mère, c'est justement l'Afrique. Vous n'avez pas besoin de saluer ce matin? Non, Steve, you know, it was this music that took. D'accord, parce que la musique a tout pris alors. Bon, ok, il n'y a pas de souci. À partir de cette musique, disons bonjour à l'Afrique, bonjour au monde, hotep à tout le monde d'ailleurs. Actually, Steve, but there's something we've been forgetting, you know. Oui. Steve, if we are able to come up every morning here. There is somebody or some people behind the scene which at times we neglect. I want to say good morning to my wife. Ah, ok, à votre femme. D'accord, ok. Of course. Oui. You know, if we are able to do what we do every morning, it is thanks to them. They give us the moral support that we need to do this every morning. So I want to say good morning to her, Madame Mange Ngoran Jacqueline. I think she's there. She's already preparing, you know. C'est totalement pas toi là, hein? Ngoran Jacqueline.
Of course. I'm an African. Mangengura, Jacqueline. I'm an African. J'espère qu'elle nous suit d'ailleurs ce matin. Bonjour à Madame Mangengura Jacqueline, d'ailleurs, hein, qui est l'épouse de Mangue Vernachius, grand homme d'ailleurs, et nous lui rendons nos hommages ce matin. Vous, vous ne dites pas bonjour à votre moitié? Oui, mais je profite aussi pour vous dire bonjour à tout le monde, ce matin. Et je commence d'abord par ma mère, parce que vous savez que... Ah, vous savez, voilà l'hypocrisie, hein. On a dit sa moitié, donc, on commence par sa mère. Je commence par ma mère, vous savez... Le lien qui existe entre le garçon et sa maman, c'est un lien fort. Et donc, comme elle a l'habitude de me regarder tous les matins, et je vous assure que ma mère est très androïde, elle me regarde même à partir du téléphone. Et donc, je lui fais un coucou ce matin. Et je profite aussi pour dire bonjour aussi à celle qui vit avec moi, parce qu'elle aussi, elle me regarde ce matin. Et aussi, tous ceux qui me reconnaîtront à travers ce petit écran. Bon, maintenant, vous n'avez pas donné le nom. Déjà, les techniciens demandent le nom. Ils auront le nom. Pour les... Eh bien, je vais lui dire qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein. Parce ok, que... ok, il s'appelle pour one name and il implique des autres. Voilà, il peut donner un nom et puis après, il se faut voir. Carrément. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Vous l'avez compris, c'est la bonne humeur qui commence le vendredi. Nous sommes le 9 octobre. Eh bien, c'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et internationale. La première partie, comme à notre habitude, en langue de Shakespeare avec Mangue Vernachius. Friday the 9th of October 2020, we begin a review of newspaper headlines from the Guardian Post newspaper on page 3, saying will SDF bigwigs chopping from Biya's regime endorse nature's call for return to 1990 type actions? The paper tells us that the SDF regional chairman for the Littoral region made the declaration in an open letter titled Letter to My Homeless Comrades, calling for peaceful protest until the last vestige of the Biya regime fall. Then on page 5, the paper tells us that the World Bank is on government's throat to implement structural reforms. Then over in the Southwest region in Boya, precisely, the paper informs us that a man has been arrested over suspicious death of his lover. A Mejiang's newspaper today in education looks at entrance examinations into big schools in Cameroon, asking when will scandals involving these schools end. The paper says even though ENAM has distinguished itself again in such act, other schools are not left out. The Lady Sahel newspaper on page 3, looking at the relaunching of activities of Cameco, says they need about 28 flights a week to the northern part of the country. Then on page 11, the paper tells us that Cameroon receives 328 million francs CFA from the European Union to fight floods, especially in the northern part of the country. Le Messager newspaper is dealing with decentralization today on page 4, about the mystery surrounding the transfer of competencies to decentralized territorial collectivities and the logical consequences of many governmental failures. The paper calls it the bluff of Diane Gouté's method. Le Jour newspaper in education, 5 days into the new academic year, tells us in an investigative report why many school textbooks are not available in the market. We have details on pages 2 to 3 of Le Jour newspaper. Then on page 9 in sport, the paper says the friendly match between Cameroon and Japan is today. And the paper tells us that the Indomitable Lions team have been reduced to 17 players. We take Info Martin newspaper inquiring into the truth about the Yaoundé Douala Express Road. On page 3, the paper says the project that took off within a very difficult context is gradually being modernized with modifications such as flyovers, deviations from a double lane to a triple lane express road with a 90% realization rate and having used an estimate
of 90 to 96% finances to deliver on schedule. A Sengang newspaper on page 3 tells us that Paul Biya fails to speak at the United Nations General Assembly. The paper says the head of state could not express himself on video conference of the United Nations as was the case this year. And the paper says this was due to negligence and incompetence from his collaborators who complained of a technical failure. The government-owned Cameroon Tribune on Back to School and COVID-19 pandemic tells us that the Prime Minister has called for reinforcement of barrier measures in primary and secondary schools 5 days after resumption for the 2020-2021 school year. The Prime Minister was speaking in Yaoundé yesterday during the usual meeting to evaluate government's strategy to fight the COVID-19 pandemic in Cameroon, as we read on pages 2 to 3. Then on page 9, the paper informs us that Cameco flights will resume on Monday. Speaking at a press conference in Douala on Wednesday, 7th of October, officials of the lone airline carrier in the country said they would relaunch transportation after nearly 1 year of inactivity. On page 15, we read that the Minister of Basic Education yesterday in Yaoundé launched the distribution of 4 million textbooks to pupils of government primary schools across the country. Minister Laurent Serge Etoundingwa urged the beneficiaries to make good use of the gift, as Cameroon Tribune tells us on page 15. We take papers out of Cameroon, beginning from South Africa, with Southern Life newspaper reporting that public protector advocate Bisisiwe Nkwebene and National Prosecuting Authority head are seemingly embroiled in a tough war. Nkwebane told the National Assembly's Justice Portfolio Committee on Thursday that the NPA was refusing to cooperate with her office in relation to its fraud, money laundering and corruption charges against several KwaZulu-Natal politicians, including ANC provincial chairperson. In Next Door Nigeria, the Vanguard newspaper says protesters protesting against the scraping of police special anti-robbery squad on Thursday in Owerri, Imo State, gathered around the popular State University Junction bearing placards with various inscriptions and chanting solidarity songs. One of the Nigerian police force DPO cocked his gun and gestured like he was going to shoot the protesters, who began screaming, "Shoot us, shoot us." In East Africa, the Herald newspaper in Zimbabwe says, despite the continued existence of illegal sanctions, the Second Republic is forging ahead with infrastructural development programs that include road and dam construction using local resources. Speaking after touring road rehabilitation and bridge construction projects carried out by local companies, President Mnangagwa said his government would ensure that in the next few years, major roads will be surfaced, telling his citizens that none but themselves could build their country. We take papers out of Africa with the Times newspaper in Britain telling us that vulnerable face months of having to stay indoors as new virus shielding plant in infection hotspots in the United Kingdom. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad this Friday morning. Nous allons retenir d'ailleurs la une de Guardian Post de ce week-end qui nous parle de l'appel de Ninthieu pour un retour aux actions de type de 1990. Et le journal s'interroge, les big wigs du SDF vont-ils couper le régime de Paul Biya? C'est la grande interrogation de nos confrères, les big wigs. En tout cas, c'est les gros légumes. On espère tout simplement qu'il y aura les gros légumes justement sur ce côté-là et que Jean-Michel Ninthieu pourra avoir le poids pour faire sortir le peuple dans la rue en tout cas. Pendant ce temps, toujours à la une de Guardian Post ce matin, un homme a été arrêté pour la mort suspecte de son amant. C'était à Boya. On espère tout simplement qu'on va revenir sur cette information. Et on va également retenir la grande une de Mutation qui nous dit ce matin, meurtre de Kribi, l'amour est violent. Ça nous rappelle d'ailleurs une chanson de Garou, l'amour
est vraiment très violent. On va également le savoir. Tout à l'heure également, nous allons revenir sur l'autoroute Douala-Yaoundé, les vérités que nous apporte d'ailleurs Info Matin ce vendredi matin. D'ailleurs, il faut le préciser. Pourquoi? Parce qu'il y a encore hier, hein, une chaîne de télévision française s'est pris pour désir de contredire justement ce qui se passe sur l'autoroute Douala-Yaoundé et nous faisait comprendre qu'il n'y a que 60 km qui jusque-là avaient été bitumés. Pendant ce temps, nos confrères nous font savoir qu'il y a au moins 90 à 96% eh bien, de cette route qui sont justement prêtes dans les jours à venir. Et pendant ce temps, France 24 nous faisait comprendre, bah, il faut que je cite ainsi, hein, France 24 faisait comprendre qu'il va falloir attendre encore 20 ans. Steve, these are measures we say that they want to destabilize Cameroon. On va revenir en tout cas sur ce sujet dans un instant. Le temps pour nous de prendre des journaux et quotidiens dans la langue française avec Jackson Diok ce matin. Eh bien, commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui parlait de la rentrée scolaire et Covid-19. Il faut renforcer la vigilance pour indiquer que le Premier ministre a demandé d'accroître justement la veille dans les établissements scolaires primaires et secondaires 5 jours après la reprise effective des classes pour l'année scolaire 2020-2021. C'était hier à Yaoundé au cours de la traditionnelle réunion d'évaluation de la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19. Au Cameroun. À lire dans les colonnes du même journal, Cameroun-Japon clash ce jour. Lion et Samouraï s'affrontent donc ce vendredi aux Pays-Bas en amical. Le sélectionneur du Cameroun devra se passer de plusieurs cadres dont le gardien André Onana teste positif au Covid-19. À la une du quotidien Le Messager Décentralisation, le bluff de la méthode Diongouté. Selon le journal de Jean-François Chanon, le mystère qui entoure toujours le transfert des compétences des collectivités territoriales décentralisées est la conséquence logique d'une cascade de défaillances gouvernementales. Le quotidien Le Jour indique que 5 jours après la rentrée, pourquoi plusieurs livres scolaires sont introuvables? Le journal fait une enquête en page 2E3. Une autre enquête à lire dans les colonnes du quotidien Info Matin, ce sont les vérités sur l'autoroute Douala-Yaoundé. En tout cas, selon le journal, en dépit du contexte difficile, le chantier qui en cours de route s'est davantage modernisé avec des ajouts à l'instar des échangeurs, des raccordements du passage à une autoroute de 2x2 voies extensibles à 2x3 voies avance donc à pas sûr. 90% de taux de réalisation pour une consommation financière estimée à 90% et 96% des délais. Journal mondial de l'Habitat 2020, l'ONU Habitat félicite le Cameroun, nous informe le hebdomadaire Le Soir, au même titre que Sarabaya. En Indonésie, j'y arrive. La ville de Douala au Cameroun a donc vibré au rythme de la 34e édition de la Journée mondiale de l'habitat ce 5 octobre 2020 sous la présidence du ministère de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Kétia-Courtès, représentant personnel du Premier ministre chef du gouvernement. Le quotidien de l'économie nous rapporte que du côté infrastructure, Campo est une ville inaccessible. L'envol économique et touristique de cet arrondissement est pris en otage par un enclavement qui mérite l'attention des pouvoirs publics. Le quotidien Mutation fait de graves révélations sur le meurtre Kribi et titre « L'amour est violent ». Plusieurs révélations sur le concubinage tumultueux qui a conduit à la mort de Arthur Akono. La fille cruelle est placée en détention provisoire, nous fait savoir le journal. Le journal Essingang évoque l'Assemblée générale de l'ONU, Paul Biya, privé de parole par ses collaborateurs. Le journal nous fait savoir que le chef de l'État n'a pas pu s'exprimer en monovision par visioconférence comme c'était la règle cette année du fait de négligence et incompétence de ses collaborateurs qui ont extirpé une défaillance technique. Le journal Éco-Santé nous renseigne que le professeur Noël Emmanuel Essomba est le nouveau directeur
de l'hôpital Lacantini. Le décret du 7 octobre du Premier ministre le confirmait à la tête de la direction de l'hôpital Lacantini. À lire dans les colonnes du journal Éco-Santé, plus de 4 millions d'enfants à vacciner contre la poliomyélite. Dans le cadre donc du maintien du statut de pays libre de poliomyélite du Cameroun, le ministre Santé organise une campagne de vaccination contre la maladie dans les 6 régions du pays les plus touchées du 9, donc aujourd'hui, au 11 octobre 2020. Direction le Gabon avec le journal Union qui parle du défi de la route. En effet, devant les députés hier, le ministre Léon Armel Bunda Balonzi, accompagné de son délégué Brice Paila, a donc détaillé les actions menées dans le cadre du programme prioritaire de remise en état du réseau routier et indiqué le mécanisme de son financement, montrant justement à quel point ce dossier représente un défi pour le gouvernement. Au Congo, les dépêches de Brazzaville titrent Lukoi Upstream et CENI pour un projet commun d'exploration. La société pétrolière suisse envisage donc avec la compagnie italienne Eni Congo d'exécuter un nouveau projet d'exploration d'hydrocarbures du côté du Congo. En RD Congo, le courrier de Kinshasa parle de mini-sommet de Goma. Les chefs d'État condamnent l'activisme des forces négatives dans la sous-région. Ils ont également réaffirmé la volonté de conjuguer leurs efforts pour éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la sous-région des Grands Lacs. Direction la France avec le journal Le Monde qui titre Covid-19, les lacunes des données françaises, les décomptes du nombre de cas et de décès effectués par Santé publique France souffrent de défaillances qui compliquent justement la gestion sanitaire de l'épidémie. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui parle des demi-finales, Roland Garros, le maître des lieux, Rafael Nadal, est à 2 matchs de décrocher un 13e titre de Roland Garros. Tous ses adversaires ont donc un énorme défi à relever, nous fait savoir le journal. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste, c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Ça coûte simplement 400 francs CFA. Vous avez bien raison de le rappeler tous les jours d'ailleurs, hein, pour aller en kiosque ou encore chez votre marchand de journaux pour avoir tous ces journaux et quotidiens. On va également rappeler que Rafael Nadal est peut-être, comme vous l'avez dit, à 2 matchs de son 13e titre à Roland-Garros. On parle bien sûr de dur, hein, parce que quand vous parlez de Roland-Garros, c'est le sol dur, hein, ce n'est pas le gazon. Le gazon, c'est ailleurs. D'ailleurs, le gazon, c'est Wimbledon. Et j'espère c'est la terre battue. Donc, c'est pour ça qu'on parle de dur. La terre battue, eh bien, c'est ça aussi le sport. On espère tout simplement pour lui qu'il pourra y arriver. Mais bon, s'il n'arrive pas, il a déjà gagné 12 titres à Roland Garros à lui tout seul. Donc, allez savoir justement ce qui attend. Oh non, c'est pas une question d'argent, c'est également une question de palmarès. C'est vrai qu'au cours de ce Roland Garros, il y a quelqu'un qui est absent à cause d'un problème au genou. Il s'appelle Roger Federer, qui n'a pas été là au cours de cette autre édition de Roland Garros 2020, marquée justement par le Covid-19. Bon, pas très animé. Messieurs, revenons justement à la grande une de Info Matin qui nous parle d'ailleurs de cette autoroute Douala-Yaoundé et nous donne la vérité alors que pendant ce temps, il y a les sorties de plusieurs journaux, pour ne pas dire des médias français qui osent déclarer haut et fort qu'il faudra encore attendre 20 ans pour voir justement cette autoroute naître. Mais c'est le contraire, nous disent nos confrères de Info Matin. Oui, nos confrères Info Matin relèvent ce matin que les travaux sont effectués presque à 90%. Voilà. Ce qu'il faut relever, c'est que, justement, en dépit de ce que nos confrères de France 24 ont dit, il faut aussi savoir que, parfois, lorsque vous ne communiquez pas, vous donnez l'opportunité à d'autres, justement, à votre place. Oui. Même si, maintenant, on peut relever que la communication n'a pas été bonne pour... Bah oui, mais ils ont, ce qui est bizarre quand même, Jackson, dont vous ne l'avez pas oublié, ils ont quand même des correspondants camerounais. Ah, ils ont ces correspondants camerounais qui leur ont donné ce genre d'informations. C'est quand même bizarre. Actuellement, ce sont les Camerounais. En fait, le reportage est fait par un Camerounais. Maintenant, filmé par un Camerounais, accompagné de deux journalistes camerounais, il faut bien préciser. Absolument. Et donc, ce que je voudrais indiquer ce matin, c'est que justement, nos gouvernants aussi doivent faire ceci. On ne peut pas aujourd'hui commencer un projet, par exemple, en 2010. On nous dit que la date limite de ce projet, c'est en 2015, et qu'on se retrouve, par exemple,
en 2020, en 2021, sans aucune explication, sans aucune communication. Vous avez totalement raison sur ce point. Parce qu'actuellement, il y a, quand vous lisez le journal, on vous dit qu'il y a certains ajouts qui ont été là, par exemple, le changeur, par exemple, les bridales de raccordement, plusieurs choses. Mais en ce moment-là, vous communiquez. Parce on a également mis deux voies, hein, deux fois deux, et puis deux fois trois également. Deux fois trois. Voilà. Donc, en ce moment, vous communiquez. Là, en ce moment, on ne serait pas en train de faire. Et en plus, vous savez ce que, à la fin du reportage, on a dit que c'est l'autoroute la plus chère d'Afrique. Alors, je voulais que la plus chère d'Afrique. Donc, il faut comprendre que non seulement on reproche à l'État du Cameroun de oui, mais il faut également dire aux journalistes de faire leur boulot. Vous comprenez ça? Steve, faut demander aux journalistes sur leur boulot. Bon, moi, je pense même que ce reportage même date de très longtemps. In English, we say something that there can be no smoke without fire. Oui. If we are complaining the delay this express road has taken, remember this express road was well publicized in such a way that everybody had to be expecting it to be delivered on schedule. And there is something that's happening in this country, the notion of time. We behave in this country as if people don't think, as if people don't reason. This is the second time, we are talking about this road that has delayed close to like 5 years. We have not had it. And remember, the road was constructed as if it was, they were hiding it. It was as if it was not open. People didn't even know that the project was still going on even. Now, remember the issue of the famous stadium that was supposed to be constructed in Cameroon for the 2019 African Cup of Nations. Remember what happened. People came out openly in public to tell Cameroonians that one bag of cement that costs 4,500 at most is sold at 16,000 pounds. Nobody questioned anything. We saw the kind of fabulous amount that people gave just to construct the stadium. They'll tell you that sand that we have in Cameroon, they are importing it to come and construct a stadium in Cameroon. Nobody said anything. Now, this is another expressway that is considered the most expensive in Africa. Nobody is saying anything. The work is not being delivered. I was saying here that when inspectors go into the field, now Informating is telling us. Vous également, vous êtes d'accord avec le fait de Kunjok déclare quand même qu'il faut toujours communiquer pour dire justement. We should open up information and then hold those who are responsible. C'est ce que nous reprochons tous les jours au gouvernement camerounais. Nous avons d'ailleurs au cours de de nos débats déclaré fort la communication gouvernementale. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne communique pas assez justement sur les infrastructures, sur ce qu'il fait d'ailleurs pour les Camerounais? C'est le problème en fait. And when there is negligence, once they neglect something, you know, corruption. Oui. We are talking corruption. In Cameroon, it's not like Cameroonians are corrupt. It is because when somebody embezzles and nobody says anything, the second person will embezzle, and the third person, and the chain continues. The person, the people who were involved with the scandal involving the stadium in Cameroon, nothing has happened to them. Now, what about the road? Nothing. And when inspection comes to the field, normalement, they tell us that they are at 95. On espère seulement que le gouvernement fait une sortie pour nous faire comprendre quand même que bon, les choses avancent. Tous les indicateurs, oui, nous montrent que justement ce reportage a été commandé. Premier indicateur, par exemple, on a interviewé l'ancien ministre des Travaux, oui, le ministre Ambassala. Pourquoi en ce moment-là, il faisait quoi là-bas en ce moment? Donc, tout porte à croire que c'était quand même quelque chose de commandé. Moi, je me suis posé la question de savoir, mais le ministre Ambassala, qu'est-ce qu'il fait là, en ce moment-là, où on est en train de faire le reportage? Bon, il fait des déclarations, il a fait sa déclaration en disant qu'il y a des la corruption et tout ce qui va. Mais pourquoi, à ce moment-là, lui, il était là? Seulement lui, il n'y a pas eu quelqu'un d'autre, seulement lui. Messieurs, même pas des riverains. En tout cas, cette information est à lire ce matin dans les colonnes de Infomatin qui nous fait comprendre qu'en dépit du contexte difficile que traverse le Cameroun, le chantier qui est en cours de route s'est davantage modernisé avec des ajouts à l'instar des échangeurs, des raccordements, autant pour moi, du passage à une autoroute à deux fois deux voies, ça il faut le dire, extensible à deux fois trois voies, avance à pas sûr 90% du taux de réalisation pour une consommation financière estimée à 90 et 96% des délais. On espère tout simplement que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Revenons justement avec Jean-Michel Ninthieu qui appelle pour un retour aux actions de type de 1990 Mangue Vernatius et nos confrères de The Guardian Post s'interrogent ce matin. Les big wigs du SDF vont-ils couper le régime de Biya?
That is actually what the paper is asking us, whether this big wigs of the CP of the SDF party, whether they will. Bon, big wigs, faut qu'on rappelle quand même que ça signifie gros légumes à nos téléspectateurs. Oh, okay, in French. Yeah, because big wigs are those party hierarchies. Mais bon, on a dit que bon, maintenant c'est en français, on dit big wigs également. Yes. Yeah, party hierarchies. Those who are eating, because the paper specifies. Oui. Those party hierarchies who are eating from the beer regime, will they support Nature in his call to continue protesting until the beer regime collapses? Remember Nature in his open letter. Donc vous voulez me dire qu'il y a quand même des personnes qui mangent sur deux poteaux. Of course, that was the paper is telling us that some party leaders, some SDF party leaders are feeding mangent dans le RDPC. Yes, no, not from the Biya regime. Ah, dans le régime de Paul Biya. Yes, not necessarily. D'accord. Okay. So and that's why the paper is asking: will such party leaders accept the philosophy of Nature that the SDF should go back to the 1990 type of action in which they were out to make sure that the Biya regime should collapse? Because remember that the paper is telling us that Nenche is calling on his militants, because he is the chairman of the Littoral region, SDF Littoral. He's calling on them to go out and continue peaceful manifestation. J'espère qu'ils vont être dehors eux également. Hein? Faut pas qu'ils envoient les enfants des autres dehors. That is what Nenche is calling on his militants to support the ideology of manifesting or protesting peacefully. I don't know what peacefully means. So until the Biya regime collapses. Vous avez raison de dire que vous savez pas ce que ça signifie. Messieurs, terminons rapidement avec deux informations. Déjà, une à la grande, une de mutation ce matin, meurtre de Crimi. Eh bien, nos confrères nous font savoir que l'amour est violent, comme le disait d'ailleurs Garou. Et pendant ce temps, du côté de Boya, un homme est suspecté d'avoir tué sa compagne. The guidance post indicates such, oui. And we are already counting such cases. Oui. Remember, it was Kribi, the duo, and the girlfriend. Kribi, the girl, what the paper is telling us today that oui. They have been living together in a concubinage. C'est même pas sûr d'avoir d'ailleurs la grande une mutation. Vous allez voir d'ailleurs les deux. Ils étaient très amoureux, mais malheureusement, actually, l'amour est devenu très violent. And now Boya, we are having somebody who is being accused of having killed his lover, and they tell us that their neighbors discovered the corpse of the girl in his house already decomposing, which means it is something that is happening in Cameroon. It's gradually gaining grounds in Cameroon, this idea of just killing somebody. Mais apparemment ça devient récurrent déjà, hein. Oui. Comme il disait tout à l'heure, il y a un sous-préfet qui tue sa petite amie, un jeune homme pour qui a été assassiné pour 20 000 francs parce que sa petite amie lui a demandé 20 000 francs, mais malheureusement apparemment il n'a pas eu les 20 000 francs. Elle a donc décidé de l'assassiner. C'est cette fille. Voilà. Et maintenant, on se retrouve avec quelqu'un d'autre du côté de Boya, qui a pris l'initiative, en tout cas, de garder sa petite amie dans sa chambre alors qu'elle était morte. Yes. Oui, absolument, Steve. Ce qu'il faut questionner, c'est la sociologie pour comprendre le genre de phénomène. Vous savez que vous étiez en train de dire tout à l'heure que ça devient récurrent. Oui. Il faut un peu questionner la sociologie pour comprendre que la tension est dans l'air. Et c'est dû à d'autres influences, les influences extérieures que nous voyons, par exemple la télé, ce que nous regardons à la télé, ce que nous regardons dans les réseaux sociaux. C'est ça qui influence notre quotidien. Et ça fait que les gens qui regardent ces événements parfois fictifs veulent justement... oui, absolument, veulent maintenant mettre cela en pratique. Or, ils oublient parfois que ce qu'ils voient, c'est de la fiction, des fois. Ils veulent mettre ça en télé-réalité. C'est de la fiction parfois. Et donc, il y a aussi d'autres phénomènes que nous connaissons tous, les problèmes sociaux que nous connaissons. Ça peut aussi être aussi un point pour... Mais il faut arrêter d'imiter les gens quand même. Parce que vous avez demandé 20 000 francs. Les influences extérieures. Vous avez demandé 20 000 francs à votre petit ami. Il a pas eu, mais arrêtez. Mais lorsque vous regardez par exemple une série où la fille est bien habillée, on ne vous a jamais dit comment quelqu'un fait pour avoir son argent, comment il a travaillé. Mais on vous montre quand même les gens qui sont en train de manger, comment on est en train de boire, ils ont devant les voitures, ils se coiffent très bien. Mais vous ne savez pas d'où ça vient. Et donc, celui qui regarde ça est influencé lorsqu'il a un esprit qui ne comprend pas que ça, c'est de la fiction, ça, c'est un rôle. On incarne simplement un rôle. Bon, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Bon, c'est pas tout le monde qui sait ça. Donc, hein. Mais il y a également un autre problème, messieurs, pour le cas du côté de Boya. Vous savez que parfois, lors d'un rapport sexuel, on peut se retrouver, on peut mourir lors d'un rapport sexuel. Oui, ça. Vous vous rappelez également d'un autre homme
sous-préfet d'ailleurs, qui est mort du côté... dans le... Actually, à l'ouest du pays. Yes. C'est une petite fille qui s'est retrouvée, of bon, course. Petite fille de 19 ans ou 21 ans, je ne me rappelle something pas bien. Something of that age, Christy. Voilà. No, no, on peut mourir lors des rapports sexuels, vous savez ça également. Vous savez, oui, oui. Peut-être le monsieur, il a paniqué, il n'a pas su quoi faire. Oui, et ça, ça, ça dépend, ça dépend. Vous savez que l'acte sexuel, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, lorsque vous êtes en plein débat sexuel, c'est même le battement cardiaque aussi augmente. Et donc, en ce moment, vous pouvez facilement perdre votre vie. Lorsque, par exemple, votre partenaire est encore plus apte que vous, ça peut provoquer autre chose. Et donc, on peut comprendre, on peut comprendre. But I don't think that this should be the case in the case we are citing in Boya. Because in Boya, they are suspecting him of having killed the woman. Bon. Steve, the woman was not found in the young man's house. The woman was found the girl was found in her house. Jusqu'à preuve du contraire, le Guardian Post parle de la mort suspecte. So of course it's still suspect. Donc pour l'instant c'est pas encore un assassinat. That's why he is under the guy has been arrested and detained. Pour l'instant c'est une mort suspecte, ne veut pas dire qu'il a assassiné. Faut bien. Well, those are the terms. Faut bien d'accord, c'est ce que le Guardian Post a déclaré, une mort suspecte. Mais je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse et surtout commenter. Passez un bon week-end, Jackson Jock. Je vous en prie. Même si vous ne vous avez pas donné le nom de la personne qui partage votre vie. Mais bon. Mangé Venachus également à vous. thank you, Steve. Bon week-end. Merci. Bon, pour moi, le week-end n'est pas encore terminé. Ouais. Dans un instant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le débat de ce matin, c'est Côte d'Ivoire, l'opposition contre un troisième mandat d'Aldo, une menace contre la paix. D'ailleurs, il faut préciser par ailleurs que l'opposition menace d'aller dans les rues dimanche prochain pour préparer justement, déclarer haut et fort qu'ils ne veulent pas d'un troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara. Mes invités sont déjà là ce matin. Côte d'Ivoire, l'opposition contre un troisième mandat d'Aldo, une menace contre la paix. C'est notre grande interrogation ce matin. André Kisselfanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour monsieur Jocelyn Angos, merci de m'avoir invité ce matin. Je dis bonjour aux copanélistes que vous aurez la charge de présenter, c'est votre devoir. Maintenant, je ne veux pas m'arroger vos devoirs. Ne vous inquiétez pas. Je dis bonjour aux techniciens, à tous ceux qui nous regardent, et surtout à tous les fan clubs, comme je prends l'habitude de mon grand frère Albert Anatole, de saluer les fan clubs qui naissent partout. On nous appelle partout pour lui dire qui se multiplie. Voilà. Même au tréfond de la région de l'Est, Angelmunduka, on nous appelle déjà pour dire qu'on vous voit à la télé, à DBS Matina, dont je veux dire bonjour à toutes les populations de Ngelmunduka, de Miambon, particulièrement mon propre village. Et justement, nous sommes frappés par un deuil ici dans la ville de Douala. Notre grande sœur Nicole Nanga est décédée hier à la Quintini. Donc, j'appelle déjà à la mobilisation de toute la communauté de l'Est et en particulier celle du département du Haut-Lyon de se mobiliser justement pour cela. Donc, je crois qu'on aura réunion justement après votre émission pour voir dans quelles conditions on va évacuer le corps dans notre arrondissement, dans notre village. Donc, merci de m'avoir invité et je crois que le débat de ce jour, je crois que ça va déménager. Merci d'être là ce matin et surtout toutes nos condoléances à toute la famille si durement éprouvée par la perte de cet être cher. Docteur Yam Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Très heureux de vous avoir ce matin. Vous allez bien? Oui, ça va. Tout va bien. Ah, vraiment, moi, je suis heureux de le voir ce matin. Tout va bien. D'accord, s'il est là ce matin, tout va bien. S'il était en retraite. Oui, bon, retraite spirituelle. Voilà, vous pouvez bien mon regard. Retraite spirituelle. Je rappelle d'ailleurs qu'il est en train de pondre un grand livre dans les jours à venir. D'ailleurs, il y a d'abord un premier livre qui sortira dans les jours à venir. Donc, l'homme est très cloîtré ces derniers jours-ci, justement, pour pondre son livre. Et pour justement continuer à éduquer les masses populaires et surtout l'Afrique tout entière. Patrick Sapak, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je lance Jocelyn Ngos, bonjour à la pointe de votre savoir-faire, bonjour aux techniciens qui sont les acteurs de l'ombre dans ce chantier tribunicien, bonjour à tous les co-consultants sur le plateau, dont vous avez l'exclusivité de présenter le dernier, après que j'ai dit bonjour à André Christel Fanga, avec lequel je vais me retrouver tout à l'heure justement pour l'organisation consécutivement à la perte de notre sœur de la région la plus riche du Cameroun, notamment la région de l'Est, d'où nous venons tous les deux. Bonjour à mon ami et frère, docteur Yam Timba, qui me retrouve sur ce plateau. Le dernier était sur un autre média le 25 septembre 2020.
Et donc, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. 26 septembre 2019. 2020. et justement, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Donc, 26 septembre 2020. Nous sommes en 2020, les gars. Oui, justement. Nous sommes en septembre, je crois. Nous sommes en octobre. Ah, voilà, vous avez dit 25, septembre 2020. 25 septembre. Ah oui, je pensais que vous avez dit décembre. Non. 2020. Et justement, nous étions sur un sujet qui concerne ce pays très sensible de la scène politique africaine, la Côte d'Ivoire. Ce matin, nous y sommes toujours. Je suis fier de le retrouver là pour croiser le verbe afin d'apporter, fédérer toutes les intelligences, afin d'apporter les lucioles à la compréhension de ce qu'il faut faire dans ce pays finalement qui est un pays charnier pour la stabilité du continent africain. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes copanélistes, je salue particulièrement Dr Yamtimba, que j'ai le plaisir de retrouver ici. J'ai commencé à croire qu'il a bouillocoté programme national. Je salue, n'est-ce pas, l'Afrique, je salue le monde, je salue, n'est-ce pas, tous les fan clubs, n'est-ce pas, de cette tribune qui se naissent, qui naissent autant pour moi, qui naissent chaque jour sur le continent africain et en dehors. Oui. Je salue particulièrement tous ceux-là qui sont très très éloignés, n'est-ce pas, du continent africain, mais qui prennent quand même la peine, n'est-ce pas, de nous suivre et de nous encourager. Eh bien, mon coup de gueule de ce matin, eh bien, gouverner ou gérer, c'est prévoir. C'est anticiper, c'est intervenir. Est-ce que les Camerounais sont encore en sécurité? La question m'a été posée ce matin parce que hier soir, ce qui s'est passé du côté de Ndokoti jusqu'à la cité Sikam est très grave. Il a fallu que ce soit Yaoundé qui informe Douala qu'il y a des événements qui sont en train de se dérouler du côté de Ndokoti à travers les systèmes de vidéosurveillance qui ont été installés. Pourquoi? Parce qu'il y a des bandes de fêlés drogués qui ont décidé de faire la peau aux innocents. Pendant ce temps, ils ont choisi une heure de pointe en Ndokoti. Ils entraient partout, ils étaient armés, ils disposaient d'armes blanches, de couteaux, les machettes et les goudins. Il semble qu'il s'agit d'un règlement de compte entre bandes rivales. Pendant ce temps, vous avez un seul policier qui se démerdait pour réguler la situation de côté. C'était un IP, inspecteur de police qu'on appelle Amour, le bonhomme, le pauvre. Pointe du savoir. Alors, je pense que, et c'est pas, et si nous sommes coutumiers de cette situation, c'est-à-dire que vous partez de chez vous très tôt le matin, c'est bloqué en côté. Le poste de police qui est à côté n'a zéro policier. Vous allez voir un seul policier qui se démène pour réguler la circulation sur la paix de Ndokoti, que vous connaissez pendant les heures de pointe. Moi, je pense que lorsqu'on nomme des gens à des postes de responsabilité, sinon pas la compétence, qu'on le mette au quartier, sur le temps qu'ils ont atteint leur limite d'âge. Oui, je dois d'aller à la retraite. Merci beaucoup de coup de gueule ce matin. Je vais également souligner que certains de nos téléspectateurs et surtout les fans clubs d'IBS nous écrivent ce matin pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de lumière du côté de Niala. D'abord, ils ne peuvent pas regarder l'émission. Et pendant ce temps, il y a également un autre problème. À Eloudem, à Yaoundé, c'est quelqu'un d'autre qui nous écrit. Qui nous dit qu'à Eloudem, à Yaoundé, il n'y a pas également l'électricité. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas regarder DBS la matinale ce vendredi matin. Mesdames, messieurs. Ils sont très pressés de venir suspendre l'énergie électrique lorsque vous avez un retard de paiement de vos factures. Oui. Voilà, c'est le seul contrat qui respecte le mieux. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite et maintenant, voici le débat. Côte d'Ivoire, l'opposition contre un troisième mandat d'Addo, une menace contre la paix, c'est notre grande interrogation de ce vendredi matin. De nouvelles manifestations contre le troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara ont eu lieu déjà en septembre dernier à Abidjan et surtout en août et dans le reste de la Côte d'Ivoire malgré la suspension par les autorités des manifestations publiques jusqu'au 15 septembre dernier. Les responsables féminines de l'opposition avaient notamment appelé à une journée d'action des femmes sur tout le territoire à la veille de l'investiture officielle par son parti d'Alassane Dramane Ouattara comme candidat. À Abidjan d'ailleurs, la police avait dispersé à coups de gaz lacrymogène une marche des femmes dans le quartier populaire de Yopougon. Eh bien, pendant ce temps, il y avait également d'autres bruits. À Jesco, point de départ de l'autoroute reliant Abidjan à la capitale Yamoussoukro, des pneus ont été brûlés sur la voie principale avant d'être dégagés par les forces de maintien de l'ordre.
à Cocody, quartier chic d'Abidjan, un important dispositif policier avait été mis en place avec des policiers anti-émeutes au carrefour stratégique dissuadant toute manifestation. D'ailleurs, nous avons constaté cela il y a encore quelques semaines. D'autres manifestations ont eu lieu ailleurs dans le pays, notamment dans l'est du pays. À Benoît, dans le sud-est du pays, fief de l'ex-première dame Simone Gbagbo, les femmes ont marché dans le calme sous bonne escorte de la gendarmerie. Eh bien, un habitant de la ville. Toutefois, de nombreux jeunes manifestants ont érigé des barricades coupant la route internationale qui lie Abidjan à la frontière avec le Ghana. À Gagnoa, importante ville à 250 km au nord-ouest d'Abidjan et cité natale de l'ex-président ivoirien Laurent Koudou Gbagbo, entre 400 et 500 femmes avaient marché dans le calme au cri « Nous ne voulons pas de troisième mandat où on ne veut plus qu'on tue nos enfants ». Eh bien, à Bengourou, centre-est, les jeunes et les femmes ont manifesté avant d'être dispersés. Eh bien, là encore, un autre scénario qui s'est reproduit dans plusieurs autres villes ivoiriennes. Pendant ce temps, l'opposition ivoirienne s'est réunie pour déclarer haut et fort qu'ils ne veulent plus d'un troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara et ont prévu de marcher dimanche prochain dans toute la ville. Et dimanche, c'est le 11 octobre 2020, ils ont pris l'initiative de marcher dans toutes les villes. Pendant ce temps, il y a un homme qui a justement besoin que cela se fasse à tout prix. Peut-être qu'il pourrait justement en profiter. Eh bien, c'est le président du PDCI, Henri Conan Bédier, qui lui, ben là, il le déclare mordicus. Ils vont marcher, ils vont continuer à marcher jusqu'à ce que Alassane Dramane Ouattara prenne l'initiative, eh bien, de quitter le pouvoir. D'ailleurs, il avait déclaré qu'il allait retrouver ses enfants, jouer avec ses petits-fils, passer du bon temps. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, il a changé d'avis. Patrick Sapak, où en est-on aujourd'hui quand l'opposition prend l'initiative de remarcher dimanche prochain? Bien, il faut déjà espérer que Conan Bédier a retrouvé le bon sens. Parce que, vous savez, dans la lecture du comportement des acteurs politiques, il faut toujours être très précis. Parce que Conan Bédier est l'un des acteurs, justement, de l'ensevelissement de l'humanisme en Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit bien clair dans les esprits de tout le monde. Oui. Alors, le 1er janvier 1942, sur le continent africain, un homme est arrivé. L'illustration la plus historiquement prouvée du panspilatisme d'État en Afrique ces 60 dernières années, Alassane Dramane Ouattara, qui malheureusement est sorti du socle qui a été fabriqué par Oufouet Boigny, parce qu'il faut bien comprendre la trajectoire de l'homme en partant justement de ce qui a porté la vie à ce pays-là, parce que le 1er août 1960, Oufouet Boigny a signé les fameux accords que nous décrions tous les jours, plateau après plateau, tribune après tribune, ici, avant que le 7 août de cette année-là, il annonce l'indépendance. L'indépendance qui n'avait rien à voir avec la déclinaison que l'on doit diffuser dans les consciences des jeunes générations, c'est-à-dire l'auto-administration d'un peuple par lui-même, en considération de ses seuls intérêts, la pleine capacité, la pleine responsabilité de l'information, d'organisation, de décision, d'action, d'évaluation, de contrôle et de sanction. Alors, nous sommes complètement aux antipodes après la signature de ces accords de coopération qui ont rétrocédé l'indépendance de la Côte d'Ivoire à la France de manière contractualisée. Et dans la prolongation, on note que Oufouet Boigny a été très capital justement dans la distorsion de la mise en place de cette lourde plateforme qui devait déjà se projeter sur la confrontation des grands ensembles, c'est-à-dire créer un grand ensemble qui allait porter les aspirations du peuple africain, notamment l'OUA. Donc ça a été dévoyé parce qu'il voulait plutôt que le paternalisme franco-occidental se mette sur cet instrument-là. Alors, derrière, Conan Bédier a été fait ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis immédiatement après, 61. Ensuite, 67, il revient dans le département de l'économie, mais on lui confie finalement cette fonction-là comme ministre des Finances en 1977 jusqu'au 7 décembre 1993 où la présidente de l'Assemblée nationale de 77 au 7 décembre 1993 où Oufouet Boigny doit perdre la vie malheureusement à la suite de cette prostate qui n'a pas pu s'y conscrire. Et là, comme la dévolution du pouvoir voulait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui prenne le pouvoir, eh bien, il y a eu un gros problème. Je reviens donc dans la trajectoire pour retrouver un homme qui semble être allé en Pennsylvanie se balader en disant qu'il allait obtenir un diplôme en économie alors qu'il n'a jamais commis un ouvrage comme mon frère Timba Yamé en train de se décarcasser à sortir un pour toujours construire la conscience politique des jeunes Africains. Alors,
doctorat en 72, mais justement en 72 et 73, rappelez-vous, on se retrouve là dans les accords monétaires revus de ce qui avait été signé en 10 aux environs de 1960 sur les 100% de réserves d'échange qui allaient être déposées dans le trésor public français. On est revenu à 65% déposés dans le trésor public français et puis 35% devaient être rejetés dans les banques centrales africaines, notamment la BCAO ou encore la BEAC ou encore la BCC, la Banque islamique des Comores. C'est à ce moment-là qu'on le ramène justement au niveau de la banque centrale, la BCAO, pour essayer de gérer justement la démarche machiavélique qui avait été décidée par ces bandits internationaux sur la question monétaire jusqu'en 1983-84 où il doit seconder Cam Dessus, parce qu'il revient au FMI. Cam Dessus, qui était le patron du FMI, le Fonds monétaire international, mais en charge des questions africaines. Sauf que derrière, il y a une secousse internationale qu'on est en train de préparer, c'est-à-dire la chute et la chute des matières premières sur le marché international. Il faut donc des hommes qu'on contrôle pour pouvoir mener techniquement à bien cette mission bizarre-là. Donc, c'est comme ça que le grappin est posé sur lui pour venir enseveler cette affaire, mais dans une nationalité, la nationalité voltaïque. Et vous savez que la haute volta dans la déclinaison, c'était le pays des hommes malhonnêtes. Et c'est pour ça que Sankara a dû transformer cette affaire-là en pays des hommes internes, devenu Burkina Faso. Mais il était justement du pays des hommes malhonnêtes, et pour prendre la nationalité qu'il a menée au FMI. Et maintenant, en 1990, lorsque on est en train d'aboutir à la difficulté de gérer la maladie qui gêne Oufouette Boigny, on pense que ce monsieur doit permettre de continuer de pérenniser la main lourde qu'on a mise sur la Côte d'Ivoire. Et puis on lui dit, écoutez, à Oufouette Boigny, vous allez encaisser ce monsieur-là, même s'il est voltaïque ou alors il est burkinabé, il va venir ici comme premier ministre au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour vous aider, en réalité, c'était pour le préparer à arriver à ensevelir le pacte social. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la Constitution voulait, à cette époque-là, que le président de l'Assemblée nationale, c'était la Constitution de 90 justement, voulait que le président de l'Assemblée nationale, qui était Konan Bédié, prenne le pouvoir en cas de démission, en cas d'incapacité ou en cas de décès du chef de l'État. Alors, en 93, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dont j'ai parlé pense qu'il a l'appréhension de gouverner sur Konan Bédié. Et ils disent, toi, tu n'as pas la capacité de le faire, c'est moi seul qui peux le faire. Mais encouragé en cela par les bandits internationaux qui l'ont positionné à cette fonction-là. Alors, problème. Konan Bédié, qui a la parfaite conscience que ce n'est pas un Ivoirien, sort dans le concept d'Ivoirité. Alors, l'Ivoirité arrive, désordre à gauche, à droite, on organise une élection à laquelle Konan Bédié finalement est seul. Et les gens pensent qu'il faut peut-être aider ce monsieur-là. Mais il y a toujours le désordre qui s'installe, si bien que le 24 décembre 1999, Robert Gueye sort pour dire stop et fin, tout le monde dort. Alors, il engage dans ce référendum-là pour légitimer cette affaire d'Ivoirité, pour dire désormais, si vous voulez être candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, eh bien, vous devez être de père et de mère ivoirien, et eux-mêmes avec des ascendants ivoiriens. Donc, c'est comme ça qu'ils sont évaporés. Konan Bédié lui-même rentre dans cette logique-là, puisqu'il est aussi évaporé de la scène politique ivoirienne, et dont intervient en 2000 l'élection qui met en confrontation Gueye et Gbagbo, où Gbagbo gagne l'élection, puisque Gueye n'avait pas vu Gbagbo arriver. Alors, quand Gbagbo gagne l'élection, Gueye dit, jamais ce monsieur ne peut pas gouverner. Alors, donc, le coup d'État, les confrontations commencent, les confrontations armées, oui. Si bien que Gueye doit se voir éliminé et retrouvé dans les buissons avec son épouse comme des rats. Et donc, voilà comment Gbagbo se retrouve dans des négociations après le 19 septembre 2002, où il se rend en Italie dans une mission officielle. Pendant qu'il est là-bas, la rébellion se déclenche dans le Nord, parce qu'on va rentrer dans les subtilités qui ont conduit à cette affaire-là. Et Chirac lui dit, écoutez, revenez par Paris, on va vous indiquer comment vous allez régler cette affaire-là. Il dit non, je rentre chez moi, je retrouve mon peuple. Alors il arrive à l'aéroport d'Abidjan, c'est là que le peuple ivoirien l'accueille et le ramène au pouvoir, au palais. Et donc derrière, on commence à aller à gauche, à droite, non, avec tous les bandits internationaux, puisque les coalitions se mettent en place. Parce que ce Gbagbo-là devient mal élevé. Mal élevé pourquoi, Steve Joseph Langos? C'est-à-dire qu'il arrive, il trouve que Oufouette Boigny, pendant toute cette année-là, ces années de pouvoir, avait installé tout un mur, tout un couloir entre l'ambassade des États-Unis, qui jouxte justement la présidente de la République là-bas, pour qu'ils reçoivent de manière discrète toutes les instructions, comme ça c'est le cas un peu partout sur le précaré français, et que là-dedans, la présence ivoirienne est louée aux Ivoiriens par la France. Donc c'est la propriété française en Côte d'Ivoire. Alors,
une prééminence, une institution qui est une prééminence nationale, qui appartient à un autre pays et qui doit gouverner justement les politiques publiques dans un pays. Il a dit non. Alors, à ce moment-là, les Français lui demandent de payer dans les arriérés des loyers. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Vous payez également la propriété des arriérés, la taxe à la propriété foncière. Alors, c'est à ce moment que se déclenche dans cette attaque pendant qu'il est en Italie. Parce que ce monsieur, il ne va pas être avec nous. Alors, on s'en va à gauche, à droite. Quand on arrive à Marcoussi, il dit, bon, voilà, il faut une on lui demande d'introduire les rebelles qui sont partis du Nord. Il revient, il signe parce qu'il est en France. Il ne savait pas ce qui allait lui arriver là-bas. Mais une fois qu'il atterrit à Abidjan, il dit, stop. Ça, c'est des histoires qui sont passées là-bas. Moi, je ne pouvais pas refuser. Mais ici, ce sont les Africains qui vont gérer cette affaire. On commence à aller à gauche, à droite. On va d'abord à Pretoria. Mais quand on va à Pretoria, c'est Thabo Mbeki, le président là-bas, qui lui fait le conseil que l'article 48 de la Constitution le met au-dessus de cette loi fondamentale pour prendre des décisions exceptionnelles lorsque la Côte d'Ivoire est en difficulté. Et la décision conjoncturelle, c'était justement qu'il fallait réhabiliter Ouattara pour son éligibilité. Et en même temps que Kona Bédié, il a utilisé cet article 48 pour réhabiliter cet ogre-là qui nous force à être sur les plateaux encore ce matin. Donc, il est revenu, mais je vais traverser rapidement pour retrouver 2010, parce qu'il y a eu les accords de Ouagadougou qui ont scellé en 2007 pour dire, écoutez, on va d'abord désarmer le Nord, on va réintégrer les rebelles, on va désarmer tout le monde avant de passer à la moindre élection. Alors, tout ceci n'a pas été fait. Il fallait revoir le fichier électoral à travers la refonte des listes. Rien n'a été fait. 2010, on s'engouffre dans une élection où Gbagbo ne pouvait plus refuser parce qu'il y avait une coalition ONU-SI et la force française sur place là-bas en Côte d'Ivoire et les bandits justement nationaux portés par toutes les RHDP, tout ce que vous voulez. Donc alors, quand on arrive à cette élection-là, le dernier organe devant statuer en matière électorale qui est la Cour constitutionnelle à l'époque a statué parce que la commission électorale indépendante est foreclose, elle a 72 heures pour livrer sa copie, c'est-à-dire oui. Le résultat provisoire. Alors, elle dit, elle a du mal à gérer parce que dans le Nord, il y a des problèmes. Ouattara n'a pas de suffrage. Donc, il faut faire tout ça. C'est pour ça que la constitution elle-même prévoit que si la commission électorale indépendante est foreclose, eh bien, la Cour constitutionnelle prend ses responsabilités, vide le dossier et délivre les résultats. C'est ce qui s'est passé en 2010. La Cour constitutionnelle a fait donc de Gbagbo le vainqueur de l'élection. Qu'est-ce qui s'est passé si Jolene Ngos? Ça, c'est ce qu'il faut retenir pour la pédagogie de nos enfants. C'est que Ouattara et Soro Guillaume Kibafori qui n'ont été fabriqués dans leur ADN que dans la manipulation des drones et des armes, des Kalachnikov, des choses comme ça, sont allés s'embusquer dans un hôtel pour annoncer aux vieux Ivoiriens. L'hôtel du Golfe. Voilà. Par effraction, c'est eux désormais qui allaient gouverner la Côte d'Ivoire. Alors, c'est parti. 13 000 morts sont tombés. Alors, 13 000 morts, je ne voulais pas rester sur tout ce qui s'est passé avec la ratification du traité de Rome pour que Gbagbo et Blé Goudé soient happés par cette fausse justice de l'industrie internationale. Et aujourd'hui, 2015, on aboutit à une nouvelle escroquerie politique déguisée en élection. C'est deux mandats depuis 2010. Deux mandats, un mandat renouvelable une fois. Mmh. Donc, de 5 ans. Alors, c'est donc sûr que ce monsieur doit sortir en 2020, mais en 2016, le gars s'aménage une révision de la Constitution. Mais là-dedans, comme le crime ne peut pas être parfait, ces experts eux-mêmes mettent en place un dispositif qui fait que ce sera seulement après l'élection de 2020 que tout ceci peut s'enclencher sur le plan du dispositif. C'est pour ça que vous entendez parler de la troisième candidature qui est illégale et illégitime. Alors, il veut forcer. Nous arrivons donc en 2020 où il dit, bon, moi je ne serai plus candidat, mais il a déjà précisé que si ses adversaires, les adversaires de son âge, de sa génération, notamment Gbagbo et Konan Bédié sont candidats, il sera également candidat, mais qu'eux, ils doivent laisser aux jeunes générations la possibilité de gouverner, comme si c'est lui qui était le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, il dit, dans ce jeu de banditisme-là, ok, Gon Coulibaly, son premier ministre, va passer candidat du RHDP dans cette compétition électorale majeure, mais parce qu'il sait quelque chose, Steve Jolene Ngos. En 2011, on a ouvert la poitrine de ce monsieur par la faveur des problèmes cardiaques qu'il avait au niveau toujours de Paris. Et il est reparti là-bas tous les 6 mois jusqu'à ce que 2020 arrive. Et donc, il pose le dévolu sur lui puisqu'il avait son bulletin de santé. Il savait très bien que ce monsieur ne pouvait pas supporter la pression consécutivement à une candidature aussi compliquée dans un pays où les morts sont tombés à gauche et à droite, où la réconciliation est la matrice qu'il faut utiliser pour remettre ce pays sur les rails normaux. Alors, Gon Coulibaly va s'évaporer, il va
faire encore cette crise-là. Mais alors qu'on l'a déjà désigné comme étant le candidat, on va l'amener à Paris. Mais ce qui se passe là-bas, c'est qu'on lui ouvre de nouveau la poitrine pour vérifier le comportement des valves cardiaques. Et quand il revient, ça ne va pas. Une semaine après, vous savez que lorsqu'on a coupé votre doigt, les médecins vont vous donner 2 semaines de repos au moins. Mais il n'a fait qu'une semaine de retour de Paris. Eh bien, on le convoque dans un conseil ministériel où on va lui annoncer dans la salle qu'il va devoir sursoir à devenir candidat et à démissionner, des choses comme ça. Le monsieur a fait directement une syncope, c'est-à-dire une perte de la connaissance due à la diffusion insuffisante du sang vers le cerveau. Et puis, il est tombé. On vous comprend parfaitement. Vous comprenez qu'il savait très bien que ça allait arriver. Parce qu'il ne pensait pas quand même que Koulibaly allait mourir très vite, peut-être 6 mois après, mais il allait continuer de contrôler. Alors c'est le contrôle de son propre héritage politique à l'abri de toute compétition démocratique qui a gouverné donc tous les choix qu'il a opérés pendant qu'on est en train d'aboutir. On vous comprend parfaitement. Et aujourd'hui donc, on est dans un troisième mandat très conflictuel et nous avons dit à ce monsieur de mettre en place un forum républicain de réconciliation nationale pour d'abord panser les plaies avant de s'engager dans une élection. Mais dans 3 semaines, puisque nous sommes le 8 ou le 9 aujourd'hui, on est en train de partir vers l'hécatombe, parce que ça, vous avez cité. L'élection est prévue pour le 31 octobre Exactement. Prochain. Exactement. Donc, voilà un peu planté avant que mes frères ne prennent le corps. On vous a compris parfaitement sur tout ce que vous avez donné comme explication ce matin. Vous êtes revenu encore sur un autre contentieux historique pour que nos téléspectateurs comprennent justement où nous voulons aller ce matin. Docteur Yamb, pendant ce temps, eh bien, l'opposition a prévu de marcher parce que pour eux, jusqu'à preuve de contraire, la candidature de Alassane Dramane Ouattara est contre nature et contre la Constitution. C'est à la fois honorable, mais mesquin aussi. Et c'est à l'image de la plupart des oppositions en Afrique qui préfèrent s'attaquer à l'écran de fumée au lieu de s'attaquer au vrai problème qui est derrière l'écran de fumée. Je pense que c'est peut-être ce qui est désolant et rend la situation de pays comme la Côte d'Ivoire, mais généralement de pays d'Afrique francophone, un peu complexe et un peu délicate. Parce qu'au fond, vous n'arriverez pas à régler les problèmes de fond auxquels nous sommes confrontés en faisant une bagarre dans un verre d'eau, alors qu'il faut faire une bagarre dans la cour. C'est toute la maison qui a un problème, c'est toute la concession qui a un problème, ce n'est pas le verre d'eau qui est posé sur la table. Le troisième, la marche de l'opposition, parlons-en. Eh bien, je crois que c'est peut-être le dernier ou la dernière façon ou le dernier moyen par lequel l'opposition ivoirienne croit pouvoir exprimer ses vues aujourd'hui, marcher, se faire voir par à la fois l'opinion nationale et internationale. Mais j'ai plus l'impression que cette opposition, en tout cas les leaders, marchent plus pour être vus par l'opinion internationale, alors que les Ivoiriens ont des problèmes de fond auxquels on aurait dû s'attaquer depuis fort longtemps. Mais il faut que, dans le rappel historique, on peut, pour être parfaitement complet, il faut rappeler que lorsque les Oumiobé se battaient dans le cadre du RDA, c'est justement au niveau de ce qui est derrière l'écran de fumée que ça n'avait pas pu marcher entre Oufouet Boigny, qui était le président du RDA, et Ruben Oumiobé, qui était le vice-président. Est-ce que les Africains devaient lutter pour se retrouver à discuter entre eux une partie de leur richesse, de leur patrimoine, de ce qu'ils avaient comme ressources, et laisser donc à la puissance colonisatrice et tutélaire et tutrice l'essentiel de leurs ressources, l'essentiel de leur souveraineté? C'est là où ils ne s'étaient pas entendus et où Miobé était parti du RDA. Aujourd'hui, on voit bien les conséquences de ce clash-là. On voit très bien également ce qui s'est passé lorsque les Africains ne se sont pas entendus en créant deux groupes lors de la création de l'OUA. Nous ne nous sommes pas toujours battus pour la liberté de l'Afrique. Et c'est ça qui est gênant. Vous avez cette opposition aujourd'hui. C'est peut-être pour cette raison que Gbagbo ne se mêle pas de façon personnelle et directe à cette élection-là. Il laisse faire. Parce que le sens des combats qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui interpelle toute l'Afrique. Parce qu'il faut bien que les Ivoiriens et tous les autres Africains comprennent pourquoi le Cameroun s'intéresse de façon particulière à la Côte d'Ivoire. On ne s'intéresse pas particulièrement à la Côte d'Ivoire parce qu'on n'a pas de préoccupations qui nous sont propres. On a entendu le coup de gueule d'Anatole au début de ces débats. Ça veut dire que nous avons des problèmes sérieux d'organisation de notre propre État, etc. Nous ne disons pas que nous vivons au paradis. Nous avons un État qui a beaucoup de problèmes, qui est anachronique, qui a du mal à s'organiser, le maintien de l'ordre laisse à désirer, la pauvreté est rampante, etc. Mais la Côte d'Ivoire est
symptomatique de la situation des pays d'Afrique francophone où vous avez des gens qui sont des pro-colonialistes comme les Alassane Ouattara et qui sont au pouvoir et où vous avez donc ces personnes qui manipulent à longueur d'année les constitutions de niveau moyen. Au max, c'est-à-dire qu'au mieux, si on est gentil, on va dire que ces constitutions sont de niveau moyen, qui les manipulent au gré de leurs intérêts fluctuants et des intérêts de leurs maîtres. Et vous avez de l'autre côté des gens qui disent être dans l'opposition, mais qui en réalité ne sont dans une opposition aux pro-colonialistes tout en étant eux-mêmes des pro-colonialistes. C'est-à-dire vous avez des pro-colonialistes qui s'affrontent simplement parce que chacun veut être sur le trône. Alors que on s'attendrait à ce que nous ayons une opposition, ou tout au moins enfin une opposition, que nous ayons des hommes politiques qui se battent justement pour des questions politiques. Or, les questions politiques essentielles pour les Africains d'Afrique francophone, ce sont les questions de la liberté de l'Afrique, de l'indépendance réelle de cette Afrique-là. Oui. Vous êtes là à vouloir, moi, il est président, je vais être président. Si lui, comme on a le même âge, il veut être candidat, je serai candidat. Bah, vous avez l'impression d'être dans une cour de récréation. Pendant ce temps, le peuple, lui, souffre. Pendant ce temps, vous avez quand même une ancienne puissance colonisatrice ou tutrice qui contrôle 50% de vos recettes d'exportation, qui contrôle toute votre économie, qui définit quelle est la vitesse de développement de vos pays, quelle est l'envergure de développement de vos pays, quels sont les clients que vous pouvez avoir dans le monde, quelle est votre place dans le monde, quelle est votre place dans le système des Nations Unies, qui vous êtes en réalité, par rapport au reste de l'humanité. Vous croyez que le racisme est très loin de la question monétaire, est très loin de la question de l'indépendance de l'Afrique, mais tous les autres peuples se disent, mais c'est quoi ce continent où les gens n'arrivent même pas à être libres, où ils n'arrivent pas à prendre des décisions qui concernent leur vie de tous les jours, il faut toujours que quelqu'un en décide sur la base d'une simple considération qui est la monnaie. C'est que vous, en fait, l'Afrique fait pitié et elle fait honte. Les élites africaines font honte. Les dirigeants africains font honte. Et ça, c'est grave. Vous voulez... Pourquoi marche l'opposition ivoirienne? C'est la grande interrogation. Marche-t-elle pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Non. Elle marche parce que elle veut sa part du gâteau. Elle veut remplacer Alassane Ouattara. Oui. Mais si vous avez Alassane Ouattara, il part, et que vous preniez sa place, l'ivoirien qui a Gagnoa, il vit mieux. Est-ce qu'il vit mieux? Celui qui a Korogo, il vit mieux. Le gars qui a Port-Boué, il vit mieux. Celui qui a Abobo, il vit mieux. Monsieur, c'est ça le problème de fond. C'est ça que Oumiova appelait l'amélioration continue. Il appelait, c'est son vœu, que la vie des gens s'améliore. Est-ce que le fait que Ouattara ne soit plus au pouvoir parce que cette opposition a marché, que Conan Bédié est peut-être président, ça va changer quelque chose à la vie du gars d'Abobo ou de Cocody? Le fond du problème, c'est celui-là. Et c'est en cela que nos oppositions sont vraiment pitoyables. C'est pitoyable. Il ne s'agit pas seulement de la Côte d'Ivoire, il s'agit de tous les pays d'Afrique francophone. Nous avons des dirigeants à la fois pitoyables et des oppositions pitoyables. Parce qu'aucun de ces groupes ne se bat pour l'indépendance de nos pays. Ne se bat pour que nous puissions nous-mêmes gérer nos pays et que la gestion, l'organisation, la structuration, les systèmes d'évaluation et la vision qui guident la vie de nos pays soit fondée sur nos traditions ancestrales, qui sont des traditions de paix, des traditions de sérieux, des traditions de rigueur, des traditions d'inclusion et des traditions qui prennent en compte la vie de tout le monde. Vous ne pouvez pas, et qui sont des traditions évidemment dans lesquelles on ne comprend pas du tout qu'on ne soit pas indépendant. Alors donc, au fond, troisième match de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas rentrer dans les considérations ivoiriennes, j'ai choisi de rester sur cette espèce de, si vous voulez, de revue ou d'incompréhension, d'expression d'une incompréhension de la pratique de la politique chez nous. Vous êtes des gens qui dirigez des pays et vous dirigez quoi? Vous acceptez volontairement d'être des larbins de personnes qui pillent votre propre pays. Et ceux qui disent s'opposer à vous sont en fait dans une perspective encore plus grave de larbinisme qui ne va pas du tout aider le gars qui vit dans le moindre quartier, le même village ou la moindre ville de votre pays. C'est ça la désolation que j'ai. C'est ça malheureusement l'incompréhension dans laquelle je me trouve. Et je voudrais pouvoir vous dire que je suis très embêté quand je regarde tout ce qui se passe
en Afrique francophone, je me demande, mais où avons-nous la tête? L'avons-nous mise en bas et les pieds en haut? Parce qu'à l'époque, lorsque Karl Marx disait, mais il marche sur la tête. Mais est-ce qu'on marche sur la tête sur notre continent, dans la partie francophone? Peut-être que les dieux sont tombés sur la tête, finalement. Ben, finalement, le problème, c'est que dans nos traditions, il n'y a pas les dieux. Les dieux, dans nos traditions africaines, ce sont les concepts mathématiques. Oui. Il n'y a pas un dieu assis quelque part qui a créé quelque chose. Ce qu'on appelle dieu, les divinités, en Afrique, ce sont les concepts mathématiques, ce sont les concepts scientifiques. Et peut-être que justement, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire la science portée à un niveau, ramenée à un niveau banal, qui intègre tous les aspects de notre vie, où nous devrions comprendre que la question de fond de l'action politique, c'est notre indépendance, c'est notre liberté. Merci beaucoup, Dr. Yam Timba. Et surtout, merci pour cette première prise de parole. Merci également d'être là ce matin pour nous éclaircir. André, Christelle, Franck, je vais me tourner vers vous ce matin, justement pour vous poser la question. Finalement, c'est ces hommes politiques qui prennent l'initiative. Un matin, je vais prendre d'ailleurs le cas de Henri Konan Bédier. Jusqu'en 2010, il a pris le parti d'Alassane Dramane Ouattara et surtout Guillaume Soro. Ils étaient tous complices pour mettre Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Dimanche prochain, c'est le même type qui va prendre l'initiative de marcher pour dire que lui, il ne veut pas un troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'il veut être président. N'est-ce pas encore là un autre paradoxe en Afrique francophone? Merci, José Langos. Je veux remercier Dr. Yam Timba et Sapa pour leur prise de parole qui ont planté véritablement le décor de ce débat. Je voudrais dire une chose. Moi, je ne voulais pas rentrer dans les anciennes attitudes et habitudes de M. Konan Bédié ou bien de tous les acteurs de la politique ivoirienne. Le monsieur dont les plateaux nous sont obligés, comme le disait Sapa tout à l'heure, monsieur Alassane Dramane Ouattara, est un problème. Et est justement un problème pour notre Afrique et surtout l'Afrique francophone. Et si il faut s'allier à des démons comme Kimbafori Soro Guillaume, comme Bédié, pour le faire partir, mieux vaut s'allier. Parce que s'il y a au moins quelqu'un qui connaît M. Alassane Dramane Ouattara, c'est Kimbafori Soro Guillaume, c'est Konan Bédié, parce qu'ils ont cheminé ensemble. Ils se connaissent. Et je pense que lors de l'investiture du président Bédié dans son parti, il avait demandé justement à ses fils, parce qu'il a des fils dans son parti qui voulaient être candidats. Il a cité, je crois, Billon. Il a cité, je crois, celui qui est aussi franco-sénégalais, ivoirien, là, le neveu de Tiam. Voilà. Qu'ils peuvent attendre, parce qu'il a un dernier combat à livrer. Et ce dernier combat, il a pris la tête de proue. Et comme un proverbe ivoirien dit, dans la brousse, c'est le plus vieux éléphant qui montre la voie. Et nous sommes dans le pays des éléphants. Et je pense que si cet éléphant-là peut montrer la voie de du chassement de M. Ouattara... Donc, le mot là revient également, le chassement. Oui, bien sûr. Parce que c'est un chassement. Il faut le chasser à tout prix. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons la situation de la Côte d'Ivoire, ça fait partie de la souveraineté. Ça fait partie du combat de la souveraineté, de la liberté. Parce que vous ne pouvez pas prendre un individu qui a tout vendu, qui a tout donné à la France. Vous savez, M. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais gagné une élection. Et il n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire comme à la présidence ivoirienne comme par une élection. Il est arrivé par coup d'État. Il faut le préciser. Il faut continuer à le préciser. C'est un gars qui a fait un coup d'État. En complicité avec l'ONUSI, qui est représenté en Côte d'Ivoire par M. Choi, avec le concours de la France. De Nicolas Sarkozy, vous avez le concours de Kimbafori Soro Guillaume avec ses rebelles, avec le concours de Konan Bédié qui a mené la caution des vrais Ivoiriens, parce qu'en dehors d'être un leader politique, il est aussi chef traditionnel. Donc, il a mené la caution traditionnelle des vrais fils de Côte d'Ivoire pour que M. Alassane Dramane Ouattara, parce qu'on lui a promis quelques cigares. Vous avez oublié Jean Ping. J'y arrivais avec Jean Ping, qui était président de la commission de l'Union africaine. Vous avez M. Blaise Compaoré, qui était le gardien des rebelles d'abord, le gardien des rebelles, et puis après médiateur. Donc, vous avez cette compilation des malfaiteurs qui se sont mis ensemble pour installer le gangstérisme politique en Côte d'Ivoire, conduit donc
a enlevé le président Laurent Koudou-Gbagbo du pouvoir et installé M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, on allait d'imposture en imposture. Ce monsieur est un imposteur de la première catégorie, M. Alassane Dramane Ouattara. D'ailleurs, même, il souffre, il est très souffrant. Et je pense que je vais rappeler cela. On doit porter plainte à l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire pour non-assistance en personne en danger. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara est en danger avec lui-même. Il a un problème pour lui-même parce que quelqu'un ne peut pas être incohérent avec lui-même. Je ne suis pas candidat, je suis candidat, je ne suis pas candidat. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui souffre. Il souffre énormément, donc il faut le consulter, il faut peut-être même pourquoi pas l'interdire. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire vous-même à Mondiovision, vraiment, je dois aller regarder mes enfants, je dois être avec, jouer avec mes petits-enfants. Et vous dites encore que non, vraiment, pour le besoin supérieur de la Côte d'Ivoire, je dois être candidat. Ce même besoin, vous l'avez exprimé, vous avez donné la charge à quelqu'un qui était très gravement malade. Deuxième plainte contre M. Alassane Dramane Ouattara pour assassinat de M. Ngol Koulibaly. Parce que vous ne pouvez pas déclarer que les charges présidentielles sont extrêmement lourdes. C'est-à-dire tous les soirs, à 23h, on m'amène deux cantines de dossiers à signer. Et vous prenez ce genre de charge, vous déposez sur quelqu'un qui a une pile dans le cœur pour faire cette charge. Non, vous êtes assassin. Donc, je pense qu'il faut porter plainte à M. Ouattara pour assassinat de M. Ngol Koulibaly. Donc, il savait qu'il allait mourir, donc en lui donnant d'abord la charge émotionnelle. Vous imaginez la charge émotionnelle qu'il y a d'être candidat à une élection présidentielle. On ne peut pas également oublier qu'il est tombé dans le Parlement. Hein. C'est dans le Parlement qu'il est tombé. Mais que, vous comprenez qu'il y a une stratégie bien mise en place pour qu'il puisse tomber et mourir. Et maintenant, troisième incongruité de M. Alassane Dramane Ouattara qui dit et qui déclare à Mondiovision, je dois laisser le pouvoir à une jeune génération. Donc, sa part de jeune génération, c'est un papa de 60 ans. 65. Donc, c'est-à-dire Ngol Koulibaly qui a plus de 60 ans. Mais écoutez, soyons sérieux. Ça veut dire qu'il insulte Ahmed Bakayoko. Il insulte Kimbafori Sorogio. Il insulte Charles Blé Goudé. Il insulte tous les autres qui sont dans la quarantaine, qui pouvaient faire l'affaire. Donc, écoutez, soyons sérieux. Ce monsieur a des problèmes. Donc, aujourd'hui, si l'opposition s'est réunie, comme ils vont se réunir dimanche avec tout le monde, parce que là il faut dire, les vrais Ivoiriens se sont retrouvés du nord, du sud, de l'ouest, à tous les niveaux, tous les Ivoiriens de vraies souches se sont retrouvés, parce que Conan Bédié, un vrai Ivoirien, président Laurent Koudou-Gbagbo, un vrai Ivoirien, Mamadou Koulibaly, un vrai Ivoirien, en fait tous les figures de proue de l'opposition aujourd'hui sont de vrais Ivoiriens qui ont décidé de dire qu'ils veulent reprendre en main leur propre pays. Même si il y a des brebis galeuses dans leur troupe, mais il faut reprendre la Côte d'Ivoire entre les mains des étrangers. Et la main des étrangers, c'est qui? C'est de la France. Parce que la vraie opposition de la Côte d'Ivoire, c'est la France. Et parce qu'aujourd'hui, vous avez vu M. Nicolas Sarkozy, que je salue particulièrement, qui avait annoncé « Je m'en vais installer la démocratie en Côte d'Ivoire et en Libye ». Voilà le résultat de la démocratie aujourd'hui. Il a installé M. Alassane Dramane Ouattara. Macron est venu donner sa bénédiction. Même le même Macron, maintenant, lui-même s'est retrouvé éventré. Parce que quand Alassane Dramane Ouattara annonce sa non-candidature, il déclare « Décision historique ». Vraiment, Alassane Dramane Ouattara est entré dans l'histoire de la politique mondiale, planétaire. Il est devenu un très grand démocrate. Il a refusé de se présenter à une élection présidentielle. Revirement de situation, 6 mois après M. Alassane Dramane... La Côte d'Ivoire était la chutée, la Côte d'Ivoire était un modèle. Voilà, un modèle. Donc, pas la gérontocratie. Non, Alassane Dramane était un homme de parole et la Côte d'Ivoire était un modèle. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. Maintenant, M. Macron, parlez. Nous, on va vous écouter. Écoutez, à interpeller M. Macron. M. Macron, dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, je vais faire comme Calibri. Ce petit voyou-là qui vous a interpellé au salon de l'agriculture. M. Macron, Ouattara s'est présenté à une élection, au troisième mandat en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous nous dites? M. Macron, Ouattara a commencé déjà à tuer les Ivoiriens parce qu'il y a déjà plus de 35 morts. Parce qu'il a présenté sa candidature pour un troisième mandat. M. Macron, est-ce que vous allez laisser la Côte d'Ivoire pourrir?
Voilà mon interpellation ce matin pour ce monsieur. Merci André Christel Wafanga. C'est assez brutal ce matin, mais bon, on vous comprend parfaitement. Albert Anatela ici. Mais c'est quand c'est sur le cas du Cameroun qui dit que non, je suis au courant, je vais prendre des décisions. Il n'est pas au courant qu'en Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Dramane Ouattara est candidat pour un troisième mandat et qu'il y a déjà 35 morts seulement pour des marches pacifiques. On vous comprend parfaitement. Albert Anatola ici, finalement, je vais vous poser ma première question. Je vais aller pas à pas avec vous ce matin. Finalement, où est la réponse de Emmanuel Macron depuis que Alassane Dramane Ouattara a fait un revirement à 90 degrés? Avant de répondre à votre question, je voudrais vous indiquer que dans un pays qui se veut démocratique, le président de la République, du moins s'il a un mandat légitime, a la responsabilité de protéger et de respecter la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Dans le cas qui nous intéresse ce matin, oui. Est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara a respecté la Constitution? Est-ce qu'il a respecté la légalité? Nous avons tous la réponse. Nous savons qu'en 2010, il est venu comme candidat exceptionnel. En 2015, il est venu, il était le candidat dérivé. Non, le candidat par dérivation. Oui. En 2020, il paraît qu'il est le candidat de la force majeure. Allez donc comprendre ce que ça veut dire. Je pense qu'aujourd'hui, il est fondamental, et tout à l'heure, il me le précisait fort opportunement, que lorsque nous observons la scène politique ivoirienne, il y a deux constantes qui se dégagent. La première, c'est quoi? C'est que nous assistons beaucoup plus aux débats relatifs à des questions périphériques sur des problématiques fondamentales. C'est-à-dire l'autonomie réelle, oui. L'indépendance politique, la souveraineté économique. Donc, ce sera donc l'évitable problème. Parce que lorsque je dis, on voit la scène, du moins ce qui occupe la scène politique ivoirienne, c'est s'y triper. Ces problématiques fondamentales que je viens d'énoncer ne les préoccupent pas, bien évidemment. C'est-à-dire l'intérêt du peuple n'est pas véritablement mis en avant. Et la seule personne, à mon sens, qui avait véritablement mis en avant l'intérêt du peuple et surtout le dessin de la Côte d'Ivoire, c'était Laurent Gbagbo. La preuve, c'est qu'il a, appelé les fameux accords de Marcoussi. Il a dit oui, j'ai accepté ça là-bas, mais pas ici. C'est important. Pourquoi? Parce que il avait pour souci justement de répondre à la question fondamentale: pourquoi est-ce que les Ivoiriens ont élu président de la République de Côte d'Ivoire? Maintenant, pour revenir à votre question, personnellement, lorsque j'ai dit cela, lorsque je parle de l'indépendance politique et économique, oui. Lorsque je parle de la souveraineté, lorsque je parle de l'autonomie, je n'ai pas besoin que Macron me donne un avis sur ce que c'est une décision à prendre dans mon pays. C'est clair. Je n'ai pas besoin. Parce que la réciprocité n'existe pas. En passant, il y a justement une session qui s'est déclenchée du côté de la Haute-Savoie en France. Les médias français n'en parlent pas. Mm-hmm. Ni France 24, ni RFI, personne n'en parle. Quand il s'agit de l'Afrique, ils sont les premiers à parler. Quand il s'agit du Cameroun, ils sont très forts. Après la sécession corse, il y en a qui essaient de déclencher tous les actuellement en du coup de la Haute-Savoie. Parce que non pas. Donc, au nom de quoi est-ce que... Et puis, c'est ça qui est scandaleux, parce que tous les acteurs de la scène politique ivoirienne ont un parent, un homme politique français. Qui est comme leur parent. Qui est comme leur parent. Oui. Et la preuve, c'est que tout le monde s'adresse à M. Macron comme le grand arbitre du jeu politique ivoirien. Mais il y a un gros problème. Certains d'entre eux, c'est leur fils. Bien, il y a un très gros problème. Bien le fils. Petit-fils. Non, il y a un très très gros problème. Et justement, ça donne donc finalement des coups de franche à la prédation internationale de continuer de perpétuer, n'est-ce pas, ses forfaits, sa forfaiture, sa perfidie. La preuve également, la plupart de ces acteurs, non pas que la nationalité et la carte d'identité ivoirienne, non pas que le passeport ivoirien, ils ont des passeports, n'est-ce pas, français, américain, belge. Belge, britannique. Ça veut dire que ces gens, ils ne sont pas les nôtres. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils ne protègent pas nos intérêts, ils ne peuvent pas nous protéger.
et ne peut pas défendre les intérêts de notre République. Je pense qu'il faut un retour, il faut un retour du nationalisme authentique. Albert Natoulaye, ici, laissez-moi rebondir en tout cas sur vos propos. Hein. Oui. Emmanuel Macron a déclaré, lorsque Alassane Ouattara a pris l'initiative de ne pas se présenter comme candidat à l'élection présidentielle de ce 31 octobre 2020, il a déclaré « Alassane Ouattara est un homme de parole ». Peut-on dire réellement qu'Alassane Ouattara est un homme de parole quand Laurent Koudou-Gbagbo déclare « c'est un menteur ». Je vous dis, c'est un menteur. C'est ce qu'il est. Je pense que dans votre papier introductif, oui. Eh bien, vous avez la réponse. C'est-à-dire que quelqu'un qui annonce, je crois que c'était au mois de mars, qui ne peut pas, il a donné des éléments qui semblaient pertinents. Qu'en plus d'être fatigué, de rentrer chez lui à 23h avec des cantines, des parapheurs pour signer, et d'être au bureau à 10h le lendemain matin, il est vraiment fatigué, il s'apaise sur ses frères épaules, il va s'occuper de ses enfants, ses petits-enfants et de sa fondation, j'ajoute. Maintenant, hein, marche arrêtée toute, je crois, nous sommes le mois d'août. Oui. Le 6 août, je crois. Il s'est dédié. Il dit qu'il donne encore d'autres arguments. Parce qu'il y a un cas de force majeure, il n'y a pas eu, il n'y a pas un autre candidat. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a du charisme, qui est intelligent, dans, même dans son propre camp, ou bien dans le camp d'en face, du moins dans la partie présidentielle, c'est-à-dire le RHDP, qui a. Donc lui s'est approprié, n'est-ce pas, l'exclusivité de la matière grise. Donc il n'y a que lui pour se représenter, pour succéder à lui-même. C'est de ça que j'ai savais, on dit qu'il insulte même les intellectuels ivoiriens. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais, disons, il faut qu'on soit sérieux. Ce qui a été se passé en Côte d'Ivoire, et c'est malheureusement, ça risque d'être une escalade qui se prépare. Avec la désobéissance civile qui a été annoncée respectivement par M. Henri Conan Bédié, oui. M. Pascal Afinguessan et les autres, eh bien, ça va être très compliqué. C'est comme Bagboyer. Maintenant, vous avez, de l'autre côté, même comme il est depuis son palace parisien, une fois de plus, M. Guillaume Soros, il annonce également, il s'aligne également sur le projet de désobéissance civile. Moi, je pense qu'il faut que les hommes politiques cessent d'instrumentaliser les jeunes. Parce que leurs familles sont à l'abri. Oui, ils prennent la peine. Ils ont des milliards dans les banques. Ouais, pendant ce temps, les populations meurent de faim. La famille à l'abri, les enfants sont à l'abri. Mais ils demandent aux autres aux enfants des autres Ivoiriens d'aller de se poser. Moi, je trouve cela, à mon sens, je trouve cela vraiment scandaleux et irresponsable. Merci Albert Anatolaï. Si permettez-moi, messieurs, de lire quelques messages sur Facebook et sur WhatsApp ce matin. Le cas ivoirien est urgent. Hein. Oui, le cas ivoirien est urgent. Le cas ivoirien est urgent. On va revenir dans même un instant. Même si on pouvait faire les charters, prendre des Camerounais pour qu'on nous dépose pour cette marche du 10, vraiment, nous serons partants. Merci. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que, regardez, j'ai porté les couleurs de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous comprenez pour la couleur orange, pour dire que je suis de tout cœur, de tout ce qu'il faut faire pour que M. Alassane Draman Ouattara soit chassé de la Côte d'Ivoire. Merci. Ça, il faut se le dire clairement. Merci beaucoup. Ce qu'il faut dire aussi, Fanga, c'est qu'il y a la possibilité de marcher ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire, au Cameroun. Mais cela s'est produit déjà en 2010. Nous avons été sérieusement bastonnés parce qu'on était en train d'indiquer que la France devait laisser la Côte d'Ivoire tranquille par la sécurocratie au Cameroun. Donc ce n'est pas seulement l'affaire de la Côte d'Ivoire au niveau des gens qui n'ont pas de formation idéologique, de formation politique. Donc c'est ce qu'il faut souligner à grands traits en appuyant. On vous comprend, messieurs. Ouais. On comprend que le débat commence à monter d'un cran. Stéphane Sullivan, Onana, bonjour DBS, bonjour le panel Ouedraogo Zumbi, bonjour Alain Patrick Ikoumenoudi, bonjour à tous. Solange Morel, n'oubliez pas le rassemblement du 10-10 au stade. Elle nous prévient hier, Solange Morel du côté de Paris, elle nous demande de ne pas oublier justement le rassemblement pour demain samedi. Du côté du stade, Bertel Tekedsa, bonjour DBS, bonjour aux invités. Quel jeu joue la France par rapport à la candidature d'Alassane Draman Ouattara? Ce silence est-il à la mésentente, si ça existe, entre Macron et son ministre des Affaires étrangères? Jean-Yves Le Drian, les US ajoutent-ils une influence actuellement sur la situation en Côte d'Ivoire? Bertel, depuis la France. Hertor Achille Mengue, Patrick...
Alain Patrick Ikoumé regarde toujours avec nous. Paul Prison, bravo DBS, depuis Chypre. Paul Prison nous écrit depuis Chypre ce matin. Corinne Kwame, Otep, Katiopia, Otep également à toi. Bravo à DBS, bravo également toujours connecté. Wati Bizoko, ils sont nombreux d'ailleurs qui nous disent bravo ce matin. Wati Bizoko, éduquons-nous vivants. Marianne Gopon de Nidi, bonjour DBS, bonjour au plateau. Paul Prison, Niamsi, Soro sont un mauvais exemple pour la jeunesse camerounaise et africaine en général. Inès Sonia Koulibaly, Racine nous dit DBS, bravo et surtout notre reconfort et surtout toujours avec vous ce matin. Ils sont en train de nous écrire, hein. Ils sont très nombreux d'ailleurs à écrire sur la plateforme DBS, toujours bravo DBS, bonjour DBS. Je vais aller sur WhatsApp ce matin. Les Ivoiriens ont mis « Bonjour chers amis, je salue tout le monde là jusqu'aux techniciens. Revenons sur le troisième mandat de Ouattara. Ce n'est pas sa volonté, c'est la France qui a la main invisible que les Ivoiriens ne voient même pas. On voit le danger venir à grands pas. Prions Dieu pour que le feu qui est en train de s'allumer s'éteigne le plus vite possible. Ouattara s'en fout. La Côte d'Ivoire, il va retourner en France ou encore au Burkina Faso. Si Gbagbo revient au pouvoir, le CFA est fini. C'est pourquoi la France est là. » Moi, c'est Sikourou, Tamomo, Sibédié, Fingessan et d'autres arrivent au pouvoir. Rien ne changera en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens ne se trompent pas. Que Dieu protège les Ivoiriens pour que le danger qui est à la porte de cette Côte d'Ivoire qui nous est très chère. Bonne journée à vous, L.A. du Sikourou, Tamono, depuis Porto Novo. Porto Novo, je pense que c'est au Bénin. Bonjour, la DBS ce matin, l'opposition ivoirienne, elle, dans la logique d'empêcher Alassane Dramane Ouattara de faire un troisième mandat qui est illégal par la Constitution. Il avait la possibilité de sortir par la grande porte et marquer l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui sortira par la petite porte car le peuple ivoirien est prêt à le faire échouer, à faire échouer son plan du troisième mandat. Fabrice Yomi depuis Niamey, c'est au Niger. Bonjour DBS, Ouattara, c'est le plus grand traître de l'Afrique. Il a une femme blanche, il a fréquenté chez les Blancs. C'est une honte pour l'Afrique. Ils sommes depuis Douala, ici au Cameroun. Voilà, donc les gars sont assez durs ce matin. Monsieur Steve, l'exemple le plus patent est la situation qui avait prévalu en Côte d'Ivoire en 2011 alors que Gbagbo était encore président ivoirien, que la France avait déjà donné la signature à Ouattara dans les comptes des opérations de la Côte d'Ivoire au trésor français et la BCAO. Le pays s'est battu pour moyens informels et tactiques irrégulières dont seul il a le secret. La France contrôle tout. Adamou depuis Maroua, c'est dans l'extrême nord du pays. On parle bien sûr du Cameroun. Bonjour Steve et à toute la grande famille de DBS la matinale. Je salue de mes cinq doigts les trois guerriers fatigables panafricains. Président Bandakani, Sapak, André Christel Fangat, c'est Thompson et Han depuis Bédi. Voilà, je suis très ravi d'être avec vous ce matin. Après quelques jours de coupure, oui, c'est toujours l'électricité, on vous comprend parfaitement. La République centrafricaine est la pupille de l'Afrique vu sa position géographique. Je viens parler ici de François Bozizé qui a déjà été à la magistrature suprême et qui avait foutu le bordel dans et surtout la merde. Qu'a-t-il de nouveau pour le peuple centrafricain? C'est son interrogation. D'après moi, il n'a plus rien à faire dans ces élections. Je souhaiterais qu'on mette parmi les critères de sélection ceci. Toute personne qui voudrait empêcher accéder à la magistrature suprême du côté de la République centrafricaine en Afrique doit être préalablement celui qui n'a jamais eu un visa pour l'Occident, du moins celui qui n'a jamais traversé les frontières africaines. Wow. Il doit maîtriser la géostratégie. C'est ce qu'il nous dit, hein, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis Douala, géostratégie militaire de guerre dans un cadre panafricain, ceci pour savoir protéger les intérêts de son pays et de l'Afrique tout entière. Très bonne journée à vous sur le plateau, Thompson et Han depuis Bédi, Zia Douala. C'est toujours lui qui nous écrit ce matin concernant justement Alassane Dramane Ouattara. C'est encore pas mal de choses qu'il nous dit. Monsieur, vous avez suivi ce qu'il a dit? Celui qui a un deuxième passeport, qu'il soit belge, français ou alors celui qui a fréquenté du côté de la France, ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle. Pour lui, c'est ce qu'il faut faire désormais sur le continent africain. Mais est-ce qu'on va y arriver? Monsieur, je vous poserai la question tout à l'heure d'ailleurs. Bonjour monsieur Goss, bonne continuation pour DBS ce matin. Docteur Yam Timba, vous êtes le meilleur, fierté pour notre pays et le continent africain. Signé Godola Garé depuis Maroua, c'est dans l'extrême nord du pays. Yam Timba, on vous salue ce matin.
Bonjour, cher panéliste. Je me nomme Bamba Yakuba. J'appelle de la Côte d'Ivoire, Abidjan. La thématique du jour m'oblige à réagir car il s'agit de mon pays. D'abord, Alassane Draman Ouattara, manifestement, conduit la Côte d'Ivoire vers une nouvelle crise dont lui seul connaîtrait l'issue. La communauté nationale et internationale lui ont proposé l'arrêt du processus électoral avant tout consensus. Mais Ouattara tente de faire croire à ses militants et à la communauté internationale, tous préoccupés par la situation, qu'il maîtrise la situation. L'attitude de la communauté internationale interpelle directement l'opposition ivoirienne qui, à son tour, doit montrer qu'il ne peut y avoir d'élection paisible dans le climat actuel. À cet effet, l'opposition doit, à partir du meeting du samedi 10 octobre 2020, inonder la commune du plateau et demeurer dans les rues d'Abidjan pour obliger la CEI, la Commission électorale indépendante, à ne pas ouvrir la campagne. Je vous remercie. Je rappelle que vous vous appelez Bamba Yakuba et vous nous écrivez depuis la Côte d'Ivoire. Pour une fois, un Ivoirien a pu nous donner son identité. C'est pas souvent très facile. Bonjour DBS, bonjour Monsieur Patrick. Où en est-on avec la mort du franc CFA en zone CEMAC? Cette monnaie esclavage. Bon, esclavagisme, bon, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Merci. C'est André Marie depuis le Gabon. Il est du côté de Libreville. Il nous parle d'ailleurs de la monnaie ce matin. Sujet cher au cœur de notre frère Dr Yam Timba. Bonjour DBS, bonjour Monsieur Ngos. Très bonne thématique ce matin. Heureusement pour moi, nous avons un économiste sur le plateau. Ma question reste la même. Que dit le docteur Yamb qui nous dit comment se fait-il que les colons impriment des papiers dans les machines? Ils y inscrivent des chiffres, viennent nous endetter avec et prennent tout notre sous-sol. Pendant ce temps, nous avons des grands professeurs qui nous parlent de l'économie. C'est de la fémania. Bon. Pure et simple. Pure et simple. Ah non, mais je ne vous coupe pas. De la fémania pure et simple. C'est-à-dire, vous n'avez même jamais vu de fémania plus organisée. C'est Eric depuis l'Écosse. C'est la pire arnaque que je connaisse. À, peut-être que celle qui ressemble un peu, c'est l'arnaque de l'Allemagne sur la France entre 1940 et 1944. Jusqu'à ce que, justement, les Camerounais aillent libérer Paris avec Leclerc. Et c'est pour ça que Leclerc est devenu maréchal et que De Gaulle, lui, n'est pas devenu maréchal. Maréchal, justement. Eh bien, messieurs, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis l'Écosse. Hein. Il vous a posé justement cette question. Donc, j'ai justement la fémania pour vous. Bien vous sûr. Avez bien sûr répondu à cette interrogation France, ce matin. C'est le prototype de poigne donatien. Il ne s'est pas inspiré de tout. Messieurs, on espère qu'on aura encore un peu de temps. Bonjour, Dibia, c'est Latifou Moula depuis Soukodé au Togo. L'envie à vous tous, monsieur Steve. Tous ceux qui misent sur l'alternance au pouvoir dans la néocolonie seront tous déçus, puisque rien ne peut être acquis dans la néocolonie, surtout la partie française. Le problème en Côte d'Ivoire, pour moi, ne doit pas être le troisième mandat de Alassane Draman Ouattara, mais plutôt du rôle nuisible que ce monsieur joue dans la France-Afrique. Et c'est bien qu'il soit traité comme tel, car il n'est pas arrivé au pouvoir de façon décente. Il faut à tout prix éviter le bain de sang dans ce pays. Merci à vous, mes frères, et surtout, bonne suite. Il nous écrit justement depuis Soukodé au Togo. Pendant ce temps, les messages pleuvent, hein, ils tombent d'ailleurs. Bonjour Dibia, je salue à tous vos panélistes. Ce sont nos propres frères qui vendent l'Afrique. Stanislas, depuis Maroua. Il vous dit clairement que ce sont nos frères qui vendent, en tout cas, l'Afrique encore aujourd'hui. Bien le bonjour à tout le panel sur le plateau. Les Ivoiriens sont à l'origine de leurs propres problèmes. Ils sont restés tranquilles pendant que Gbagbo se faisait marcher dessus par ces bourreaux qui sont Sarkozy, Ouattara, Soro et Conan Bédié. Un président qui est arrivé au pouvoir par le sang ne peut que régner par le sang. Lionel, depuis Douala, ici même, au Cameroun. Salut Steve, mon message d'aujourd'hui n'a pas été lu. Vous avez lu seulement celui d'hier. Thompson et Hadé Médi. Je le relire tout à l'heure, ne vous inquiétez surtout pas. Le temps nous est imparti. Salut vraiment, merci beaucoup pour l'émission. La personne ne nous a pas laissé son nom ce matin. Bonjour DBS, Ouattara est un voyou politique. Il doit apprendre à quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. Merci Dominique Timba depuis le Dominique depuis le Togo. Bonjour DBS, je suis surpris de vous encourager, que vous encouragez les marches en Côte d'Ivoire et dites non aux marches au Cameroun. Vous encouragez le chaos en Côte d'Ivoire. La personne également n'a pas laissé son nom. Il faudrait qu'il donne son nom. Non, c'est pas le plus important ce matin. Vraiment, saluez-moi tout le monde de ma part depuis le Cameroun. Nous sommes là pour nous, mais pas pour Ouattara. C'est moi, bien sûr, cette personne nous écrit depuis Maroua. Messieurs, on vous a posé une question tout à l'heure d'ailleurs. Hein, quelqu'un qui nous écrivait d'ici Douala, il nous faisait comprendre que pour lui, si quelqu'un doit aller à une élection présidentielle dans les jours à venir, celui qui veut en tout cas aller pour la magistrature suprême, il ne doit pas avoir
deux passeports, ne doit pas avoir deux nationalités, et c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir fait des études du côté de la France sur cette question. Oui, allez-y, rapidement, allons-y. C'est une question essentielle. Oui. C'est une question essentielle. Je comprends que le téléspectateur est révulsé, parce que quand il regarde Alassane Ouattara, on dirait que c'est lui qui le décrit. Oui. Mais il faut comprendre que nous avons... Il y a peut-être deux, trois petites choses. Quand vous sortez de votre pays et que vous faites 2 ans hors de votre pays, sur le plan de l'analyse sociologique et psychosociale, il vous faudra 8 ans avant de vous réadapter. C'est-à-dire quand vous revenez, si vous avez passé 2 ans à l'extérieur, vous avez besoin de 8 ans pour vous réadapter à nouveau, vous réintégrer dans la société. Ça pose effectivement un problème de la résidence de nos compatriotes, mais ça pose particulièrement un problème de la nationalité de ceux qui veulent diriger le pays et de ceux à qui ils rendent compte. J'entends beaucoup de gens poser le problème de la double nationalité, de la multiple nationalité. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de double nationalité en Chine, il n'y en a pas en Russie, et tous les pays qui ont voulu se développer, il n'y en a pas au Vietnam, il n'y en a pas, etc. Les gens vont vous dire, oui, mais il y en a en Europe, il y en a en Amérique du Nord, oui. Mais vous oubliez que l'Amérique du Nord, c'est les colonies de l'Europe. Mais pourquoi est-ce que vous voulez pas? Si vous prenez les États-Unis, mais ce sont des Anglais, des Irlandais, des Italiens, des Français. C'est normal qu'ils aient envie de rentrer chez eux. Des Écossais. Des Écossais, tout ça. C'est normal qu'ils aient envie, les Allemands, qu'ils aient envie de faire la navette entre leur zone native et oui. puis les colonies. C'est normal que les Australiens aient la double nationalité australienne, française, anglaise. C'est les mêmes gens. Oui. Sauf que... Ils veulent retrouver leur environnement. C'est normal, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est un peu comme ce faux truc du bilinguisme qu'il y a au Canada, mais c'est des Français qui sont au Québec, qui sont des Huguenots français. Et puis les autres sont des Anglais, des Irlandais. C'est normal que d'abord chez eux, ils veulent s'entendre entre eux parlant leur propre langue. Ici chez nous, on va créer le même problème. Est-ce que nous, on est des Huguenots? Est-ce que nous, on est des Anglais? Pour dire qu'on va faire les histoires comme eux. Ils viennent nous conseiller sur le multiculturalisme. Ils en savent quoi? Ils savent comment on mange le bongo chovi et pourquoi l'autre doit manger le condré ou l'un autre le sanga. Ils n'en savent rien, ou l'autre le baoba. Ils savent rien de tout ça. Donc, la question de fond, c'est que nous avons besoin aujourd'hui en Afrique de vrais nationalistes. Purs, durs. D'ailleurs, même pour les Occidentaux ou pour les Asiatiques, les vrais interlocuteurs, les bons interlocuteurs qu'ils peuvent avoir pour la paix dans le monde et pour le développement de toutes les composantes de l'humanité, c'est des nationalistes purs et durs. Les modèles de présidents qu'il faut avoir chez nous, c'est les gens comme les Xi Jinping, c'est les gens comme les Vladimir Poutine, oui. c'est les gens comme les Merkel. Parce que vous êtes là, les gens rigolent, mais vous voyez comment Merkel est dure. C'est une Allemande pure et dure et qui ne pense qu'à l'Allemagne. Hein. Le reste là, elle regarde, mais elle est d'abord allemande. Quand Trump dit que l'avenir appartient aux patriotes, pas aux mondialistes, il n'a pas tort du tout. De toute façon, nous, on le dit depuis une éternité. Mm-hmm. Bien avant qu'il ne soit président de la République, vous allez sur ma page Facebook, vous trouverez mon compte. Vous trouvez ça il y a peut-être 7 ans ou 10 ans. Donc, la question de fond aujourd'hui, c'est qu'il faut des critères clairs. Les histoires de caution qu'on met là pour être président de la République, mais c'est de la rigolade, c'est pas sérieux. Qu'un type qui veut venir diriger votre pays, vous demandez qu'il paye 30 millions ou 50 millions ou 100 millions. Est-ce que c'est ça le critère de fond? Le critère de fond, ce n'est peut-être pas par rapport à l'éducation. On peut aller s'instruire partout dans le monde. La science, pour nous les Africains d'ailleurs qui avons donné la science à l'humanité, on ne peut pas limiter l'horizon où les gens vont chercher la science. Par contre, il faut qu'on s'entende. Est-ce que vous devez avoir un conjoint, c'est-à-dire une épouse ou un époux qui n'a pas la nationalité camerounaise ou la nationalité ivoirienne, la nationalité de votre pays? Est-ce qu'il est normal que vous ayez une autre nationalité? Parce que chaque fois que vous avez une nationalité, vous rendez compte à ce pays-là. Est-ce que c'est des gens comme qui doivent diriger notre pays? Au Gabon, on a autant de choses. Et il y a le fait que quand vous voulez diriger, ceux qui doivent diriger nos pays ne devraient pas du tout être des personnes qui ont des intérêts à l'étranger. Vous pouvez pas, si vous avez un intérêt, si par exemple vous voulez diriger un pays en Afrique et que vous avez des villas, de l'argent dans les comptes bancaires ailleurs, des choses comme ça, vous avez tendance à avoir une attitude presque obséquieuse envers le pays où vous avez des intérêts. Et peut-être que ce pays peut être un pays qui pille le vôtre. Et vous allez certainement tomber dans le piège de la faiblesse de leur laisser un certain nombre de choses auxquelles ils n'ont pas forcément droit. Oui. Et je crois que l'autre chose, c'est que quand vous avez une autre nationalité, et particulièrement ceux qui ont la nationalité de l'ancienne puissance colonisatrice ou tutrice, ils ont tendance à minimiser les problèmes de fond qui sont les nôtres. Et les problèmes de fond qui sont les nôtres, quel
que soit le problème, ils le font. Ils le font. Arrêtez, oui. En réalité, je ne dis pas ça comme ça. Ils n'ont pas tendance, ils le font. Non, ils le font. Il a raison. Il a raison de me reprendre là-dessus. En réalité, ils font allégeance. Parce que la nationalité est une allégeance. Oui, oui, monsieur, c'est ce que ça signifie. Quand vous prenez une autre nationalité, vous prêtez serment. Mm-hmm. C'est une allégeance, la nationalité. Mais quand vous n'avez pas pris pas une nationalité étrangère, vous voyez comment ça se passe. C'est simple. Vous avez un acte de naissance, ensuite vous avez une carte nationale d'identité, vous ne faites allégeance à personne puisque vous êtes vous-même. Vous ne pouvez pas faire allégeance à vous-même. Mais quand vous prenez une autre nationalité, vous prêtez serment. Donc vous faites allégeance à quelqu'un. Et vous avez l'obligation d'aller au moins pendant peut-être une fois par an ou une fois tous les deux, une fois tous les trois ans dans ce pays. Et vous payez, et il y a un autre problème de fond, vous payez les impôts à ce pays. Parce que les gens qui disent, ouais, on veut la double nationalité, on veut la triple nationalité. Monsieur, ça signifie une commission de fiscalité. J'ajoute de l'eau dans votre vin que allons-y, monsieur. Vous devez avoir un point d'ancrage là-bas. Et le point d'ancrage, c'est quoi? C'est les investissements. Les investissements qu'on fait. Donc, vous privez notre pays d'origine de ces investissements. Mais en fait, vous créez ce qu'on appelle les commissions de double fiscalité. Voilà. C'est une complexité exceptionnelle. Parce que vous devez payer les impôts là-bas et payer les impôts ici. Parce que, messieurs, qu'est-ce qui fait de vous un citoyen? C'est pas le fait d'avoir la CNI, la carte nationale d'identité. C'est le fait de payer les impôts. C'est le fait de payer les impôts. Voilà. Donc les gens qui disent je suis Camerounais, je suis machin, est-ce qu'ils payent les impôts? C'est ça, payer les impôts. Les gens sont ici, ils travaillent du matin au soir, ils montent disant vous criez que vous voulez la nationalité. Vous contribuez en combien à la vie de la vie du pays? Ce compatriote a raison. Nous devons avoir, dans tous les cas, on va pas rentrer dans tous les détails, le dirigeant de demain. C'est le nationaliste pur et dur. Point. Qui pense, qui rêve, qui imagine, qui ne projette, qui ne se donne d'objectif. C'est-à-dire que tous, ils dorment, ils se lèvent, ils rêvent, ils se couchent, ils ne pensent que son pays. Et c'est ces gens-là qui sont les meilleurs interlocuteurs pour ceux qui aujourd'hui pillent l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'avec eux, A sera A. B sera B. 1 sera 1. 2 sera 2. Ce ne seront pas des gens qui ne savent jamais quoi faire. Et c'est avec ces gens-là, vous n'aurez jamais les problèmes de révolte que nous avons et les conflits que nous avons dans sur notre continent, parce qu'on saura anticiper et gérer. Et je crois qu'il a raison. Bon, vous d'accord, vous lui donnez raison à notre téléspectateur ce matin, monsieur. Plus que 30 minutes pour sortir de cette édition dont vous avez encore 30 minutes. Tout le monde dit, ah, c'est bien, hein, d'accord. Oui. Ah, bon, allez, Patrice Abac, vous allez également revenir sur cet avis. Oui, vous allez donner votre avis. Vous également. Ah, d'accord. Mais monsieur, on a un autre sujet. Je vais donner mon avis sur la question. Oui, allez-y. Revenez sur la question parce que j'ai été interpellé sur le franc CFA au niveau de l'Afrique centrale par un de nos frères dans l'interactivité. Pour dire qu'il faut présenter les scripts, commençons par Léomba. Qu'est-ce qu'il avait dit? J'ai même repris ce qu'il avait dit sur votre plateau ici, je crois, il y a 48 heures. Tout Gabonais a deux patries, la France et le Gabon. Il commence par la France. Donc, la prééminence institutionnelle valide, officialise publiquement que tout Gabonais a deux patries, la France et le Gabon. Allez donc savoir derrière. Alors, pour le cas du Cameroun, il y a trois scripts. Thierry Michel Atangana et Tissou Ezoa sont des ministres qui, le dernier, c'était le secrétaire général à la présidence de la République de Paul Biya. Et comme il était médecin, c'était son médecin. Donc il a eu la malencontreuse idée de penser qu'il pouvait balader la lumière de sa raison dans les obscurités sacrées du système au Cameroun en prétendant qu'il pouvait être candidat en 97. Eh bien, mal lui en a pris parce qu'il s'est retrouvé dans les geôles avec celui qui était son directeur de campagne, qui avait lui-même aussi été reçu par Paul Biya à l'aéroport. Alors, donc, qui a dû intervenir pour que ces gens sortent? C'est Paris. France. Paris. Ils sont sortis. Et pourquoi? Parce qu'on a excipé leur nationalité française. Il y a... comment elle s'appelle? Eyoum. Madame Eyoum. Elle était à Kondégué, c'est la présidence centrale de Yaoundé. Et c'est son appartenance à la nationalité française qui la sort de prison. Paul Biya lui-même, parce que Hollande est passé au Cameroun, il a plaidé pour que sa compatriote Lydia Deyoum puisse sortir. Paul Biya dit, écoutez, elle a détourné soit 1 ou 2 milliards et tout, mais je verrai ce qu'elle veut faire. Quelques temps après, elle est sortie. Vous comprenez? Alors 97% des ministres en Afrique francophone ont la double nationalité de leur pays, entre guillemets, et de l'extérieur, notamment occidental. Donc, il faut comprendre que ce que notre cher frère dans l'interactivité a évoqué là,
est fondamental. Et je pense justement qu'il faut rester, quand il dit pur et dur, c'est que soit on est Camerounais, soit on est Ivoirien, soit on est Burkinabé, ou on est rien. C'est de ça qu'il est question. D'abord, le nationalisme, c'est l'attachement aux idéaux d'une nation. Et le premier attachement se situe au niveau de la seule nationalité. Vous comprenez? Bon, maintenant, il y a ceux qui sont des hommes d'affaires, qui peuvent aller recruter des nationalités parce qu'ils veulent faire prospérer les affaires. Mais les droits politiques, notamment au niveau de l'illégitimité, l'illégitimité... Je crois que c'est un faux raisonnement. Parce que, hein, il faut déjà dire quelque chose, Frère Timba. C'est que tout le monde n'est pas dans la même longueur d'onde. Et il faut s'unir avec les prêts à l'union. Parce que quand on dit l'unité de l'Afrique, c'est pas qu'on va prendre tous les pays africains d'un coup. Il y a ceux qui sont prêts à s'unir. On commence avec cela, même s'ils sont trois. Bien sûr. On s'unit d'abord. Donc ceux qui vont comprendre le bien fondé de cette union-là vont se greffer. Ce sera par gravité que ça va se passer. Maintenant, quand on revient sur le franc CFA, il a dit, où en est-on avec le franc CFA en Afrique centrale? Eh bien, je parle d'autorité. Paul Biya est arrivé au pouvoir en 82. Vous savez ce que ça fait en termes d'années. Idriss Déby est arrivé en 90. Vous connaissez faire les calculs. Sassou Nguesso, 79, ensuite 97, à la suite de tout ce que nous connaissons. Vous avez en Afrique centrale encore. Obiang Nguema. Bon, mais Obiang Nguema rentre dans le franc CFA, il faut que ce soit clair. La Guinée équatoriale avait sa monnaie qu'on appelait les Kwele. Et donc, c'est parce qu'il hérite d'un pays totalement délabré sur le plan économique qu'il est approché par Oufouet Boigny et Bongo, le père, hein, pour rentrer dans le franc CFA en lui présentant l'illusion de la garantie monétaire. Il entre en 83-84 et justement l'accord de 72 et 73 dont je parlais, qui précisait que chaque fois qu'un chef d'État va sentir que cet accord lui est préjudiciable, il peut le dénoncer, mettre en place des passerelles intermédiaires afin d'orchestrer la convergence macroéconomique pour financer le développement et mettre sur route une nouvelle monnaie. Ça, c'est l'accord, l'article 17 dans les accords de Dakar et de Brazzaville au niveau monétaire en 72 et 73. Alors, c'est en conformité avec cette affaire-là que en 2003, Obiang Nguema demande des comptes sur le compte des opérations. Puisque tous les chefs d'État qui ont décidé, la personne ne peut tenter. Parce qu'en 72 et 73, on a dit aux gens, bon, on va plaire à l'opinion, hein, mais vous avez l'obligation de garder le silence. Celui qui essaye, hein, il va se voir rappeler toutes les conneries qu'il a faites encadrées par nous. Donc, vous comprenez? Donc, tant que c'est Biya, c'est Déby, c'est Bongo, parce que Bongo, c'est la suite de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez fait, par le mot sexualité, il y a deux ou trois jours ici. Donc, ça, ce sont des éléments dont les gars utilisent pour garder en captivité les chefs d'État. Et donc, comme eux, ils sont donc arrivés au pouvoir, aidés en cela par le banditisme international, eh bien, ils ne peuvent pas bouger. Donc, ils vont parler, ils disent depuis de faire souvent des sorties. À des moments, il a fait une sortie, je crois, une édition en 2014. Il dit, bon, voilà, le France, il fallait nous mettre mal à l'aise. Il va falloir l'ambassadeur de France au Tchad d'aller au palais. Lui dit, écoutez, bon, je vais donc faire le rapport sur la position que vous avez prise sur le France. Il dit, non, les gens ont mal interprété mes propos. Donc, parce qu'il ne veut pas de problème. Donc, il ne faut pas espérer, sauf si on est dans l'illusion et la candeur, que l'un d'eux puisse sortir du franc CFA. Pourtant, il est exigible tout de suite qu'on sorte du franc CFA et qu'on mette en place justement un dispositif, parce que nous avons la compétence pour ça ici. Il n'y a pas à s'inquiéter. Je voulais rassurer l'Afrique. Il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. Et je le dis souvent, chaque fois qu'un pays acquiert son indépendance politique totale, il acquiert in extenso et immédiatement sa souveraineté monétaire. Parce que c'est la souveraineté monétaire qui permet de maîtriser la banque centrale, les banques commerciales et tous les circuits financiers pour financer les projets issus du génie qui sommeille en le peuple désormais libre. Mais surtout, garantit les quatre éléments qui lancent la souveraineté dans un pays. La sécurité extérieure, c'est la diplomatie et la défense nationale. Vous ne pouvez pas sécuriser ça si vous n'avez pas votre monnaie. La sécurité intérieure, c'est la police et la loi. Vous ne pouvez pas régler des choses là-dedans si vous n'avez pas vous votre monnaie. Vous avez déjà expliqué ça ici. Voilà. Hein, donc, vous comprenez que c'est fondamental de sortir du franc CFA. Mais n'attendez jamais que ça arrive pas avec les personnages. Nous allons les protéger, mais c'est les nationalistes purs, murs, durs et sûrs. Parce qu'il faut que je précise très bien. Parce que les gens peuvent être purs, murs, et puis au premier village, ils ne sont plus sûrs. Donc, il faut que ce soit purs, murs, durs et sûrs, hein, qui prennent la tête de nos États
et qui posent les vraies questions, parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que la stratégie de l'esquive qui a été justement sécrétée par ces gens pour gouverner le comportement des hommes politiques, là, il faut. Messieurs, terminons avec les réactions. Il y a également Albert Anatola ici qui voulait répondre justement à notre téléspectateur ce matin, parlant justement de cette attitude à ne plus être, justement, ne plus avoir de double nationalité, mais à être entièrement et totalement africain. Tout à fait. Et ayant bien sûr fait ses études sur le sol africain, il précise. Je veux dire que tu peux plus aller faire des études ailleurs, mais avec, pour garder votre nationalité. Bien sûr. Vous avez un seul passeport. Sankara avait un seul passeport. Momo Kadhafi avait un seul passeport. Babo a un seul passeport. Il y a beaucoup de pays qui se proposent de lui donner un passeport diplomatique. Parce qu'il est nationaliste, il est patriote. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous, prenez, vous avez la nationalité de notre pays, pas seulement ce que. Parce que je ne vais pas revenir sur les éléments que. Les uns et les autres ont déjà souligné. A convoqué tout à l'heure. Oui. Ça dit que vous. Parce que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Non. C'est même biblique. Soit vous allez haïr l'un. Là. Et vous allez aimer l'autre. Donc ça devient compliqué. Donc vous, avez, vous ne pouvez pas choisir. Vous ne pouvez pas choisir de vivre avec deux maîtres. Ça, c'est deux de deux. Et puis. Régulièrement, je parle de la fermeture des frontières. Il y en a qui seront au compte. Vous savez pourquoi? Ils ont des intérêts. De l'autre côté, il y en a qui ont acheté des villas, qui ont acheté des immeubles là-bas. Ce sera très compliqué. Et ce sont donc, voilà les gens qui organisent la saignée financière, les détournements. Voilà la conséquence d'avoir une double nationalité. Bien sûr. Merci beaucoup, Albert Anatola, ici, pour cette réaction également. C'est une déclaration d'un ministre camerounais, ministre camerounaise. Elle a dit comme la France a les intérêts au Cameroun, comment va chasser Paul Biya? Elle sera la Catherine Samba Panza du Cameroun parce qu'elle est française. D'abord, elle a sa nationalité française et elle est ministre au Cameroun. Elle a déclaré. Allez suivre. C'est clair. André Kisefaga, revenons justement au sujet qui nous intéresse ce matin, parlant de la Côte d'Ivoire. On parle bien sûr selon notre thème de ce matin. Une menace contre la paix, cette marche de demain et de. Enfin, ce rassemblement de demain et cette marche de dimanche. Mais c'est pour la paix plutôt. Parce que si Ouattara, la gangrène, est-ce que qui comme... cause le problème de la Côte d'Ivoire actuelle, c'est un seul individu. Parce que M. Ouattara se trompe, hein, même ceux qui sont autour de lui là ne sont pas d'accord avec lui. Oui. Je suis sûr que si on donne une opportunité à Ahmed Bakayoko, il va lui loger une balle dans la tête. Je vous le dis. Ahmed Bakayoko est capable de loger une balle dans la tête de M. Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, vous n'êtes pas avec lui. Hein, mais bon, je vous c'est le son dis père, pourquoi. Quand même. Parce que Kimbafori Soro Guillaume est quand même le mentor de M. Ahmed Bakayoko. C'est M. Kimbafori Soro Guillaume qui met le nom de Ahmed Bakayoko dans le gouvernement d'union où ils font avec où il entre ministre, je parle de la culture ou bien de l'information, quelque chose comme ça. Donc, vous comprenez que, mine de rien, Kimbafori Soro Guillaume est quand même un acteur principal de la rébellion. Ouais, quand même, pas que. Il est l'acteur principal de la rébellion. Vous comprenez un peu. Et il a encore ses hommes dans la gouvernance de Alassane Dramane Ouattara. Donc, tout le monde est prêt à en découdre avec M. Alassane Dramane Ouattara. Et d'ailleurs, quand M. Kimbafori Soro Guillaume démissionnait de l'Assemblée nationale, il dit « J'abandonne le tabouret pour le fauteuil ». Ce qui a causé beaucoup de problèmes. On a éliminé plusieurs gars de Soro dans son entourage. Petit empoisonnement, vous savez que même dans l'entourage de Ngon Koulibaly, il fallait que vous entrez dans un bureau et AVC, ça vous prenait. Parce qu'on avait déjà mis quelque chose dans la climatisation. Donc, vous avez une gouvernance par embuscade, une gouvernance par assassinat, une gouvernance par où on embrigade les gens, on embrigade les libertés. On a mis tout le monde sous scellé. Parce qu'il faut juste que vous prononciez un mot. Quand vous prononcez Laurent Koudou-Gbagbo, vous allez en prison immédiatement. Vous avez une nation où aujourd'hui les libertés sont privées. Vous avez une nation où le président de l'Assemblée nationale est arrêté ou bien est menacé alors que les députés de la nation. Vous avez les députés de la nation qui sont arrêtés, jetés en prison sans lever d'immunité parlementaire. Vous avez des télévisions qui ne peuvent plus diffuser en Côte d'Ivoire. Vous avez des journaux qui ne peuvent plus paraître. Vous avez plein de choses de privation de liberté des individus. Vous savez, il y a une brillante dame, je crois, qui est de la société civile, qui a été arrêtée parce qu'elle était la première d'organiser des marches en Côte d'Ivoire pour dire non au troisième mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, aussi longtemps que vous avez une société où un homme est devenu un tyran, parce que dictateur même c'est faible, c'est devenu un tyran.
Un tyran, il tire sur tout ce qui bouge. Parce que si vous dites non, un seul instant, il tire sur vous. Il a disposé, en dehors de l'armée régulière, il a mis une autre armée irrégulière qu'on appelle les microbes à Abidjan, qui sont armés de machettes et de gourdins. Dès que vous dites ado, si c'est dégage, on vous coupe avec la machette. Donc, sous le regard bénissant, sous le regard jovial de la France, de M. Macron, sous le regard bénissant de l'ONU, sous le regard bénissant de la CEDEAO, vous comprenez un peu, suivez mon regard, c'est-à-dire, vas-y, vas-y, continue à tuer les Ivoiriens. Non, je pense qu'aujourd'hui, la marche de l'opposition, c'est justement pour régler ce problème. Que les Ivoiriens sortent en masse, en milliers, et envahissent Abidjan. Parce que c'est ça le plus grand défi aujourd'hui, la capacité de mobilisation des Ivoiriens. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez du slogan de campagne du président Laurent Koudo-Gbagbo, devant ses maïs. Merci beaucoup, Antegrisette Fanga. Nous allons justement dire un coucou, faire un coucou à M. Mbanga Paul du côté des États-Unis qui nous regarde justement tous les matins. Il est donc d'ailleurs de notre réalisateur de ce matin, McDonald Tombo. Mbanga Paul qui nous regarde tous les matins, justement, DBS matin jusqu'aux États-Unis, à Chypre, en Écosse, sans oublier bien sûr à Troyes, à Liège, en Belgique, à Bruxelles, à Paris. Ils sont très nombreux d'ailleurs qui nous écrivent tous les matins. Ils sont pleins sur les réseaux sociaux, sans oublier bien sûr sur Facebook, sur notre page officielle. Albert Anatola est ici, marché dimanche, permettra-t-il justement à la Côte d'Ivoire, si jamais Alassane Dramon Ouattara n'est plus chef de l'État, dira-t-on, comme Dantoyam le disait encore il y a quelques instants, le pays va changer, quelque chose va changer réellement, quand on sait pertinemment que même ces personnes qui disent être de l'opposition ont également un deuxième passeport et ils veulent la bénédiction de la France? Oui, bon, disons que la marche, dans le contexte actuel, a pour objectif de faire pression, de mettre la pression à Ouattara pour que cette dernière puisse reporter L'élection présidentielle du 31 octobre. L'élection présidentielle du 31 octobre. À laquelle il se présente. À laquelle il se représente pour une troisième fois. Comme même, il prétend que c'est le premier mandat, c'est le premier mandat de la Troisième République. Donc, je pense que c'est ça l'objet, n'est-ce pas, de cette mobilisation populaire. Oui. Mais tout à l'heure, nous avons évoqué ça. C'est-à-dire que, en réalité, les acteurs politiques en Côte d'Ivoire ne fondent pas leur combat ou bien leur posture politique ou leur engagement politique sur des questions fondamentales, c'est-à-dire les problématiques fondamentales, c'est-à-dire la monnaie, la souveraineté monétaire et économique, l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire, ou bien les accords de coopération, les questions de détournement des pillages de nos ressources naturelles. Non. Ils perdent du temps, leur énergie sur des questions périphériques qui n'ont rien à voir avec les véritables questions. C'est comme que j'ai évoqué tantôt. Donc, et la plupart, nous avons affaire à un problème systémique. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le problème. Comme dans la plupart des pays d'espace francophone d'Afrique, c'est le même problème. Donc, je pense que nous, est-ce que cette marche sera véritablement encadrée? J'en sais rien. Est-ce qu'il n'y aura pas de débordement? Je pense que notre souhait, contrairement à ce que un internaute croit qu'au Cameroun, nous défendons les marches et en Côte d'Ivoire, nous les encourageons. Non. Le problème, ça veut dire qu'il a une mauvaise compréhension de la situation. Nous sommes là dans l'expression d'un ras-le-bol, c'est-à-dire un président de la République qui a le devoir de protéger et de respecter la condition qui la viole. Il y a également les éléments de langage, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire et vous dédire. Vous dites une chose et vous dédiez par la suite. Dans la cosmogonie africaine, lorsqu'un patriarche prend la parole pour dire une chose, il tient à ce qu'il... Il tient justement à cette parole. On attend toujours, en tout cas, la réaction d'Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas... Non, on n'a pas besoin. Non, écoutez, président... je vous ai compris, Albert Latoué. Si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de sa réaction. On vous comprend parfaitement. Moi, j'en ai besoin. Non. Pourquoi? Parce que ce monsieur a voulu faire croire au monde entier que son opinion n'est pas importante. Il n'y a pas de démocratie. Je vous rappelle, quand même que Alassane Dramon Ouattara a également ses partisans. Parce qu'il est ivoirien. Il n'en manque pas. Il est ivoirien. Mais si on va revenir avec vous. Ils ont insulté le Cameroun que le Cameroun est une gérontocratie. Macron est élu par les Français. Messieurs, on vous comprend parfaitement. Merci. Cette partie n'est pas nécessaire. Je vais me tourner vers Patrick Sapak ce matin. Patrick Sapak, je vais me poser la question. N'est-il pas de bon ton aujourd'hui que Alassane Dramon Ouattara dépose le tablier, que Henri Conan Bédié et les autres également comme Laurent Koudo-Gbagbo prennent l'initiative de s'en aller, de laisser à la nouvelle génération justement le temps de gérer la Côte d'Ivoire? Alors, le départ d'Alassane Dramon Ouattara est capital. Capital parce que les gens semblent vouloir esquiver ça. La France et l'Occident n'ont prospéré dans leur démarche machiavélique sur notre continent
qu'avec la complicité active et engagée des acteurs principaux. C'est ce que j'appelle les animateurs internes du système, dont le premier est toujours le chef de l'État. Oui. Alassane Dramane Ouattara, comme Paul Biya et comme les autres, sont les amis des Occidentaux. Donc il faut que ce soit bien clair. Et donc, maintenant, s'il y a des degrés, hein, la vassalité vis-à-vis de ces gens-là peut être relative, mais ça reste les mêmes blocages scientifiques. Ouattara, le premier chantier en Côte d'Ivoire, c'est d'abord d'évacuer ce monsieur. Ça, c'est le premier chantier. Le reste, on va voir après. Vous comprenez? Il faut d'abord dégager ce monsieur parce que c'est un instrument solide de complicité avec les bandits internationaux pour ensevelir l'humanité qui doit exister en les Ivoiriens. Donc, c'est d'abord ça. Il ne faut pas se tromper de combat. Donc, Alassane Dramane Ouattara est un pion. J'ai toujours dit qu'il y a deux groupes de responsables dans le marasme de l'Afrique. Il y a les bandits internationaux que j'appelle les concepteurs du système. Et il y a les bandits nationaux que j'appelle les animateurs internes du système. Et qui sont chapeaudés donc par quelqu'un qui est la prééminence institutionnelle choisie par ces bandits internationaux. Merci. Alors, donc, il faut absolument qu'ils libèrent d'abord l'espace. Conan Bédié et tous les autres, nous allons les contrôler. Parce que juste après, le chantier qui va suivre, après que le chassement, pour utiliser son terme, ait été exécuté sur Ouattara, eh bien, ça va être très lourd. Et ce ne seront pas seulement les Ivoiriens, ce sera toute l'Afrique parce qu'on est seulement en train d'y travailler. Merci hein, justement pour vos réactions ce matin. Messieurs, ça va pas être tellement facile, hein, on vous comprend parfaitement. C'est assez dur d'ailleurs ce matin de parler de tout cela. Permettez-moi de lire quelques messages sur WhatsApp ce matin avant de revenir avec vous pour une dernière prise de parole hein, pour deux minutes. J'espère que ça va vous plaire mieux. Bien sûr, bien sûr. D'accord, monsieur. Salut le panel. Je pense qu'il faut aller même plus loin dans les critères d'éligibilité du président modèle africain. Avoir un nom africain. Mais il faut que les panafricanistes sortent des studios pour aller dans les rues, les marchés, les écoles. On doit en faire notre religion. Il faut les prêtres pour ça. Eh bien, c'est Edem qui nous écrit depuis le Togo. Les Français ont détruit l'identité, le peuple ivoirien, du peuple ivoirien pour le cas de métis ne sont pas reconnus par l'État français. C'est un crime contre le peuple africain. Le français est le plus grand criminel pour l'humanité. Adamou, depuis l'extrême nord du pays, c'est à Maroua. Docteur Yarmi vous pose la question, je vais vous la poser d'ailleurs. Pourquoi les Camerounais utilisent le logiciel de la comptabilité Sage Sari pour la France? Vous voulez que je réponde tout de suite? Tout de suite, bien, allons-y rapidement. Bah, écoutez, c'est parce que, d'abord, c'est une bizarrerie parce que le système comptable qui est utilisé au Cameroun, qui est le système comptable au Ouada, n'est pas celui qu'on utilise en France, oui. Même s'il s'en inspire d'une certaine façon. Alors, donc, nous utilisons un logiciel qui est conçu pour un environnement qui est différent du nôtre et quand vous l'utilisez ici, vous êtes obligé de le reparamétrer. Oui. Alors que vous avez beaucoup de jeunes Camerounais qui proposent des logiciels conçus nativement pour le système que nous utilisons ici. Alors, qui doit porter la révolution? Mais c'est l'État. C'est le gouvernement qui doit dire les seuls logiciels qui permettent de s'assurer que les écritures comptables sont passées de manière fiable, que l'information financière délivrée par les entreprises, elle est fiable et certaine. C'est l'État. Et c'est de cette façon indirecte, on appelle ça les barrières non tarifaires, c'est de cette façon indirecte que l'État porte les concepteurs, les promoteurs d'entreprises et les créateurs de richesses. En réalité, nous avons très peu de choses à faire pour développer nos pays. Nous avons le sentiment qu'il nous faut construire de grands barrages, de grands ponts, des immeubles qui ont 300 étages. Non, nous avons besoin de nous assurer que des jeunes gens sortis de l'université qui ont conçu un petit logiciel de gestion comptable, l'État dit c'est ça qu'il faut faire. Et vous avez donc les 150 000 entreprises du Cameroun qui sont obligées d'acheter ce logiciel-là. Merci. J'espère qu'il a répondu à votre question. Hein. Bonjour Dibia, je suis Ousmane Cissé, ivoirien vivant au Cameroun. Votre panéliste demande à mes frères ivoiriens d'envoyer Abidjan et ils s'offusquent du fait que Ado a fait sortir toute la police dans mon pays. Alors ce même panéliste s'insurge contre votre frère Maurice Kamto quand il appelle à des marches au Cameroun. Je suis un opposant à Ado, mais je suis contre ces marches qui feront couler le sang des Ivoiriens. Vous utilisez le mot chassement pour Ado, mais pas pour votre président. En tout cas, c'est toujours utilisé depuis la nuit des temps. Il nous a dit, hein, il nous a donné son nom. Oui, et il nous dit d'ailleurs qu'il nous écrit depuis Ousmane Cissé, il est ivoirien.
Bonjour, le panel d'intervention de Dr. Ma intéressé pour le processus d'être président en Afrique, totalement africain. Maman Messi depuis Yaoundé. Maman Messi, j'espère qu'elle a toujours, la dernière fois elle se plaignait qu'elle n'avait pas d'IBS, mais maintenant elle est là, finalement. Allons-y rapidement, Steve. Je ne suis pas d'accord avec M. Sapa. Pourquoi le siège de la Banque centrale de l'initiative du guide libyen devait être à Yaoundé? Parce que c'était là justement la capitale choisie, en tout cas pour cela. Je vous réponds rapidement. Bonjour DBS TV, je suis content de vous suivre chaque matin. Vous nourrissez bien mon cerveau avec vos débats. Bravo, bravo et courage. Vous êtes des modèles pour nous les Africains et panafricanistes. Hubert Nimon depuis Lomé au Togo. Bonjour, oui bonjour. Bon, la personne nous écrit depuis le Togo, mais elle n'a pas laissé son nom. Bonjour à vous tous. La constitution ivoirienne avant la maladie de Boigny était écrite. En cas de vacances de pouvoir, c'est le premier ministre qui achève le mandat. Boigny, sachant bien que Ado n'étant pas ivoirien, avait fait modifier la constitution en mettant ceci. En cas de vacances de pouvoir, le président du Parlement achève le mandat. En tout cas, cette personne ne nous a pas laissé son nom. C'est toujours une personne qui nous écrit depuis le Togo. Bonjour à tous. Moi, je pense que votre plus grande bataille doit être la bataille du franc CFA. J'aimerais demander au grand Patrick Sapa si c'est possible de gagner cette bataille dans un futur proche, compte tenu des avantages que tire la France. Si oui, comment? Garba Bello depuis Djoron au Cameroun. Pour répondre à la question rapidement, parce qu'il nous manque plus que 8 minutes pour sortir de cette édition. Oui, le gros problème, c'est juste au niveau de l'indigence des ressources. Oui. Vous comprenez? Parce que c'est la monnaie qui est le carburant de toute économie. Mais maintenant, quand vous avez des pays au potentiel très lourd, parce que l'Afrique, c'est pratiquement les 53% de la richesse mondiale. Et vous, si vous allez pays après pays, vous allez constater qu'il y a matière à travailler. Alors, mais vous ne pouvez pas engager des réformes économiques. Vous ne pouvez pas engager, je voulais dire, des perspectives et des prospectives économiques si vous ne vous adossez pas sur un instrument qui soit contrôlable par vous-même. Pour jouer sur les marchés financiers, vous avez besoin d'avoir l'autonomie, la gestion de votre monnaie. Parce que le franc CFA, par exemple, n'est reconnu nulle part. Même à Paris, où on frappe ce franc CFA, vous ne pouvez pas faire des achats avec le franc CFA. Vous allez dans un supermarché, on vous dit, écoutez, c'est quoi ça? Hein? Vous ne pouvez même pas, le pilier du franc CFA, qui est l'un des piliers qui parlait de l'unicité de la zone monétaire. En Afrique centrale, le franc CFA que vous utilisez, vous ne pouvez pas l'utiliser en Afrique de l'Ouest. Une autre perfidie. Donc vous comprenez, donc pour dynamiser les économies, nous avons d'abord besoin de la liberté de la production de nos politiques monétaires. À oui. partir de ce moment-là, l'expertise africaine, parce que nous avons travaillé avec toutes les tous les économistes de haut vol, avec Dr Abou, que nous avons reçu sur les plateaux et de dans télévision. Les forats. Oui. Nous avons travaillé avec plusieurs exégètes de cette question-là. Et il y a déjà un calibrage qui est là. Donc, pour la mise en place, justement, des éléments et des passerelles intermédiaires, déjà, parce qu'il faut noter que si vous prenez le Cameroun, avec un potentiel aussi lourd, vous avez 22 millions d'hectares de forêt ici. Ce sont les 47% du bassin du Congo. Vous avez 20 000 mégawatts de potentiel énergétique. Le deuxième plus costaud d'Afrique appelé la RDC. Vous avez 72 253 km² de terres arables, donc fortement fertiles. 120 milliards de mètres cubes d'eau, tant sur le réseau hydraulique, sur le réseau. On vous comprend parfaitement. 366 000 milliards de valeur financière du sous-sol. Vous avez 548 sites touristiques viabilisables. Ici, vous n'avez juste besoin que d'avoir la liberté de la production de votre politique monétaire. Le Cameroun, c'est le troisième potentiel économique d'Afrique. Merci. La RDC, l'Afrique du Sud. Donc, ça, c'est juste pour un exemple, pour dire que dès qu'on a notre monnaie, et il faut le faire tout de suite, parce qu'il ne faut pas attendre demain. Et donc, on ne va pas attendre des chefs d'État que j'ai cités là, qui le fassent, mais nous allons les protéger. Pour permettre donc aux nationalistes purs, mûrs, durs et sûrs d'arriver pour poser les vraies questions. Bonjour DBS, merci pour tous les membres du plateau car ils maîtrisent l'info. Continuez de nous édifier, Sa Majesté Singoke Ndoumbé. Oui, merci également à vous, Sa Majesté Singoke. J'espère que je prononce bien Ndoumbé qui nous regardait ce matin encore. Bien le bonjour à vous sur le plateau. J'aime ce que vous faites, mais je souhaite que vous pensiez à une autre méthode de sensibilisation de la société camerounaise et surtout africaine. La personne ne nous a pas laissé son nom, laquelle il ne nous a pas donné. Nous avons besoin d'une prise de conscience collective pour nous réapproprier notre patrimoine culturel
Ngantui, traditionnaliste, le problème africain, c'est cet esprit de victimisation que nous avons pris comme valeur et pire encore, le fait de considérer que tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur. C'est ce qu'il nous dit encore également ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que nous devons apprendre notre culture, nos cultures à nos enfants. Merci également à vous ce matin. Monsieur, plus que quelques minutes, quelques secondes hein, pour sortir de cette édition. Docteur Yam, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour terminer justement cette édition en une minute? Une seule. Bah écoutez, je vais vous dire une chose. Il faut que les gens sachent que les marches ne sont pas dans les traditions africaines. Oui. Et que je plaide pour que la politique soit fondée sur nos valeurs traditionnelles. Mmh. Les marches sont une exception, quelque chose qui vient de la pratique de la politique en Europe, parce qu'en réalité, il n'y a que le roi. Le roi est la figure centrale. Oui. Et on ne parle pas devant le roi. Alors que chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous avons la palabre africaine. Et tout le monde a le droit à la parole et tout le monde a du temps de parole. Donc, on n'avait pas besoin traditionnellement de faire des marches. D'ailleurs, il n'y a pas de mots pour dire ça dans nos langues africaines. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire, c'est en réalité que si l'opposition, et là peut-être que je vais fâcher quelques amis ivoiriens, mais si l'opposition ivoirienne, elle sait depuis un certain temps, je leur dis c'est mon point de vue, mais c'est mon point de vue de carrière. Allons-y rapidement. Mettez-vous ensemble. Oui. Et comme vous, si vous maîtrisez l'électorat, je peux vous assurer que si vous avez 80% des suffrages, Alassane Dramane Ouattara et sa CEI ne vous voleront pas votre victoire. Donc ce que vous allez faire, c'est aller aux élections, gagner cette élection par 80%. Faire les marches avec un homme violent, avec un régime violent, avec un système violent. Merci à ici d'avoir rappelé que c'est un problème systémique. Faire des marches dans un système violent, oui, par nature, est toujours contre-productif. André Guisset Vanga, votre mot de fin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Kamto organise des marches pour chasser Paul Biya. Oui. Alors qu'il était à l'élection 2018 avec Paul Biya. Et Paul Biya l'a battu à 60%. À plate couture. Il a refusé d'aller aux élections législatives et municipales. En fait, il a refusé tout ce qu'il faut pour justement conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir. Donc, il ne faut pas s'allier à ce genre de sataniste, parce que ça, c'est du satanisme. Vous ne pouvez pas refuser, on vous pose, parce que quand même, s'il allait aux élections, je suis sûr, législatives et municipales, il devait avoir vraiment un équilibre au niveau de la municipalité à la législature, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, donc, pour dire que soutenir la marche de Kamto pour faire quoi? Il allait aux élections, il y avait la crise anglophone. Il allait aux élections, le code électoral était le même. Depuis, il allait à deux élections. Hein. Kamto allait à deux élections avec le même code électoral. 2013, où il était candidat à la députation dans le Fundi, tête de liste du MRC dans le Fundi. Il allait aux élections avec le même code électoral. 2018, il allait aux élections avec le même code électoral. Il vient nous demander d'aller dans la rue pour faire quoi? Merci. Nous ne pouvons pas suivre ce genre d'idiot politique. Merci. Non. Maintenant, c'est pas non, le... je finis avec la Côte d'Ivoire. Oh, non. Mon cher ami. Allez-y. Maintenant, la Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara est l'incarnation du mal. Donc, s'il faut extirper le mal, il faut que tous les Ivoiriens se réunissent pour extirper le mal. Et ce mal ne fait pas seulement du mal à la Côte d'Ivoire. Fait le mal à toute la communauté. Vous avez vu son projet d'écho. Il ne faut qu'être un sataniste pour arriver à ce niveau-là. Pour aller prendre un projet comme celui-là et amener pour la sous-région. Prendre le Grand Nigeria, Ghana, tout ça, pour mettre dans une seule monnaie contrôlée par la France. Il faut être vraiment un ado pour le faire. Merci beaucoup, André Kissel Fangadet. En fait, ce matin, Albert Adatola, ici, votre mot de fin pour terminer. La première, c'est sur la double nationalité. Pour dire quoi? Pour dire que les gens qui ont deux doubles nationalités, très souvent, c'est eux qui favorisent, n'est-ce pas, les détournements de données publiques. Et lorsqu'ils sont poursuivis par la justice. Ils prennent les avions pour entrer chez eux. Et lorsqu'ils font l'objet de poursuites judiciaires, eh bien, leur pays, leur véritable pays, les estime, n'est-ce pas, des la justice. Deuxième chose, que je suis pas la Côte d'Ivoire. Terminons rapidement. Je ne serais pas d'accord avec Yann, parce que aller à cette élection, qui sera une mascarade électorale, qui sera cautionné justement l'imposture de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc il faut aller par conséquent, il faut le laisser aller seul dans sa silence. Albert Natula, ici, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. C'est un plaisir. Patrice Appart, merci également d'avoir été là ce matin. Merci, Sipjengo. Ça fait une semaine pleine que nous avons rempli justement pour. On a rempli notre devoir en tout cas. Donc je me suis fait disponible toute la semaine pour le bien de l'Afrique.
On verra si la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, vous serez là en tout cas. Docteur Yann, merci également d'avoir été là ce matin. André Kissel Fanga. Ben, que les Ivoiriens sortent en masse pour le stade Félicia. Merci beaucoup. Sortez. Il y a en ce moment là, Gaston Yann me dit, Steve, mon message d'aujourd'hui n'a pas été lu. Bon, il faut que je lise son message rapidement, même s'il est comme une bible. Bonjour à toute la grande famille de DBS La Matinale. Un salut appuyé au docteur Yam Timba. Cet homme son errant depuis midi. Pour ma part, la Côte d'Ivoire est prise en otage par M. Dramane Ouattara et sa bande de narcotrafiquants qui préfèrent se sacrifier pour éviter une éventuelle prison et en même temps protéger les intérêts de ceux-là qui les ont vendus des chars d'assaut pour massacrer les Ivoiriens. Donc, ils ne partiront pas d'eux-mêmes. Le problème de la Côte d'Ivoire est au centre des préoccupations des panafricains d'aujourd'hui parce que si Ouattara ne part pas, l'Afrique tout entière ne retrouvera pas sa souveraineté nationale et monétaire pendant son exercice parce qu'il est le haut gradé des sous-préfets de l'impérialisme occidental. Pour tuer le serpent, il faut couper sa tête. Que toute l'Afrique apporte son soutien à sa détermination au peuple ivoirien. Thompson Errant depuis Bédi. Ah voilà, j'espère que j'ai lu votre message à Thompson Errant. Merci Thompson, c'est bien. Bon d'accord, nous allons également dire merci à monsieur Manga Paul du côté des États-Unis, langue de McDonald's, qui nous regarde d'ailleurs tous les matins, fidèle le téléspectateur. Nous allons dire également merci à tous ceux-là qui nous regardent du côté des États-Unis, de l'Écosse, de Troyes. Il y a d'ailleurs un groupe de panafricanistes du côté de Troyes qui m'ont écrit hier. À vous qui êtes du côté de Troyes, je vous dis merci. À Liège, à Bruxelles, à Paris, sans oublier bien sûr les autres grandes villes occidentales, eh bien je vous dis merci. Et à vous tous d'ailleurs qui êtes du nord au sud de l'Afrique, de l'est à l'ouest, eh bien je vous dis otep à tout le monde. Messieurs, merci d'avoir été là ce matin. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Bon week-end à toutes et à tous et surtout pas d'excès. Au revoir.